pas ton histoire avec Non. Non. On va l'appeler F. Et non mais oui, F. Attends, le prénom c'est un indice. C'est vrai. Non, parce que ça n'est pas dans ton sens. Tu peux pas ne pas dire le prénom. Tu crois? Ah mais c'est certain, ah, mais c'est un prénom. Qu'est-ce que je... Elle veut qu'il aille voir le réseau Léo, c'est pour ça qu'elle veut pas dire son nom. Parce que ce que j'expliquais, c'est que j'ai peur que voilà que celui que ce le Frank de Laura Knight, mm-hmm. Vienne perturber ce monsieur-là, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec... Bon, on ne sait pas, qui peut-être que, tu vois, qui soit pas... Qui fait l'amalgame avec comme un prénom. Si, voilà, d'accord. C'est ça. Comme s'il y avait un amalgame qui était fait entre le Franck et que tous les Francs, et que voilà. Attends, non. Là, je crois que les personnes qui écoutent, elles ne comprennent rien du tout. Il faut reprendre. Hélène va faire une traduction. Oui, vas-y. Ah ouais, fais la traduction. C'est vrai, donc voilà. Je cite. Tu cites, oui. Ok. Cite Franck. Donc, Nina... a eu une relation avec une personne avant de basculer dans d'acter la connaissance dans son quotidien. C'est bien. Et du coup, de se mettre en route. Et en fait, cette connaissance-là, bah, elle l'a retrouvée il n'y a pas longtemps et elle n'a pas pu s'empêcher. Comment dire ? Moi, je dis comment je le vois. Hein. Oui, c'est ça. La prédatrice n'a pas pu s'empêcher de lui dire « Ah, mais si tu veux... effectivement, on peut se recontacter. Effectivement, on peut aller voir les feux d'artifice. Effectivement, avec vrai. L'espoir derrière de pouvoir avoir une contrepartie masculine qui rentre dans la vie, bah, le bricoleur qui revient. Oui, parenthèse, parce qu'effectivement, j'ai fait une demande très récente, là, oui. Sans doute un peu liée avec cette nouvelle énergie féminine que je sens monter en moi et tout. Et j'ai dit, voilà, il y a des choses, autant j'étais très bricoleuse, il y a des choses que j'ai plus envie de faire. Et je dis, j'ai besoin d'aide. Voilà, pour une fois, j'ai affirmé ça, alors que jusqu'à présent, j'étais un peu du genre à dire, ouais, non, moi, je gère tout, j'ai besoin de personne, c'est manipulé par mon besoin d'indépendance. Comme c'est ça. Un chauffeur de bus? Non, c'est pas lui. c'est lui, ça s'appelle Philippe. Hein. C'est pas lui. Et donc, j'ai fait cette demande-là, vraiment, en conscience, en disant, voilà, j'ai envoyez-moi de l'aide, j'ai besoin d'aide. Mais en même temps... Donc, ils vont t'envoyer un plombier. Et il m'envoie un bricoleur. Un bricoleur. Qui est le fameux. Parce que j'ai demandé un bricoleur. Et voilà, hier, je vais dans la pharmacie. Quelqu'un dont j'ai plus de nouvelles parce que, justement, comme elle expliquait très bien, c'est vrai que je l'ai rencontré à un moment de ma vie où, justement, je pouvais sortir des phrases du genre. Excusez-moi, un peu cru, mais bon. Le chemin qui mène à mon cœur passe par ma chatte. Tu vois, ce genre de phrases, tu vois. Donc, c'est-à-dire, j'étais vraiment. C'était un contrat sexuel qu'il y avait voilà, avec lui. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Hein, cette notion-là. Et du coup, ben, en prenant conscience que j'étais manipulée par la prédation, par la prédatrice sexuelle et tout, j'ai viré, quoi, volte-face et tout. Mmh. Et du coup, comme lui, forcément, je ne peux pas lui en vouloir d'être resté bloqué sur cette Edwige. Voilà, c'est ça, sur Edwige, effectivement, parce qu'il ne comprend pas. Il me dit, tu t'appelles comment maintenant? Donc, je ne pouvais pas lui en vouloir, mais bon. Donc, c'était étonnant hier, parce que c'est passé hier. Attends, je fais une précision. Vas-y. Faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, que Nina a changé de prénom au moment de son changement de radical d'orientation. Oui, c'était début 2017, il s'est passé des choses, et voilà, 2017. Qu'avant, c'était Edwige, et maintenant, c'est voilà. Nina. Voilà, c'est ça, de 2017. Et donc, quand je le croise là, alors que justement, j'avais vraiment fait cette demande, et que je savais qu'il allait m'arriver quand même m'être envoyé quelqu'un, et je tombe sur lui, donc il bricoleur, il retape des maisons, il boue des gîtes, enfin il est bricoleur quoi, il travaille de ses mains. Et donc dans une pharmacie, et puis là donc forcément on a cet échange là. Alors il faut savoir qu'avec lui, c'est très attraction-répulsion, mais plus répulsion, on a plus notre prédateur qui se... que tu vois. Et la frustration que j'ai un petit peu avec lui, c'est que justement, mais comme il n'est pas sur le chemin, et qu'il n'a pas conscience de la prédation, et qu'il ne veut même pas, pour l'instant, en entendre parler, et en tout cas, je n'ai même pas pu, moi, essayer de le lui amener, enfin, bon, peu importe. Donc, du coup, c'était un peu... Enfin, c'était bloqué comme mode de communication, enfin, on ne se comprenait pas, quoi. Et, c'est logique, hein. Ouais. Carrément, hein. Oui, c'est logique. T'as demandé un bricoleur, bah, il t'amène un bricoleur. Voilà, ben, c'est ça. C'est tout. Après, c'est vrai que pourquoi aller voir, chercher ailleurs et penser que... Donc je lui ai exprimé que j'avais effectivement besoin d'un bricoleur. Je lui dis ça comme ça en passant quand on s'est vu. Je lui dis, je cherche un bricoleur. Après, ben, est-ce qu'il t'a dit... Effectivement, c'est ce que je m'étais dit. Je lui ai pas besoin d'aller chercher encore autre chose parce que t'as pas demandé. Même si dans la contrepartie, même si c'est vrai que j'attends ou en tout cas j'espère l'arrivée de ma contrepartie masculine.
mais qui fatalement cette contrepartie, je vois pas comment elle pourrait ne pas être en cheminement SDA. C'est comme ça que je perçois les choses. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Donc tu as très envie de l'amener lui en cheminement SDA. Parce qu'il y a confusion. Hein. Oui, je me dis, bon, ben, il arrive là, tu vois, le hasard, la synchronicité. Synchronicité SDS qui fait bien les choses. Voilà, je sais pas. Donc c'était tout. T'as bien fait une demande au CV sur SDS. C'est une demande SDS purement SDS. C'est pas une demande pour toi. Ah ouais? Ben oui. Laquelle de tu demandes le bricoleur, tu demandes pas quelqu'un qui t'élève ton âme. Tu demandes un bricoleur. Ben voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah ouais, vu comme ça. Puis, moi je vois aussi un autre truc assez rigolo, c'est dingue comme on veut toujours sauver nos bourreaux. Oui. C'est vraiment un programme qui est récurrent, on veut toujours sauver le bourreau. Ah non, mais c'est un truc de dingue ça. Et je parle pas qu'il est bourreau actuellement, mais sa vibration tu reconnais et qui fait attraction, répulsion et avec ce bonhomme. Il s'appelle Franck, il y a tous les indices. Quoi. Enfin, voilà, en plus, voilà, il y a tous les indices. Quand on met tous ces indices bout à bout, il arrive un moment où... Ouais, c'est possible. Donc, c'est pour ça, ça peut pas être une demande... Parce que c'est vrai qu'effectivement, la demande en lien... C'est une demande intéressée. Voilà, la demande en lien avec l'évolution de l'âme, c'est vrai que c'est ça. C'était que demain... Si aujourd'hui je suis célibataire, c'est maintenant 3 ans, c'est parce que la personne qui était disposée à m'aider, comme tu dis, à élever mon âme et à cheminer, et à, voilà, elle n'est pas là, ou peut-être qu'elle ne sera jamais, ou peut-être que... Ou peut-être que tu ne la vois pas. Ça, tu ne sais pas. Ou peut-être qu'il faut lâcher toutes les projections et qu'elle arrivera d'une manière ou d'une autre. Regarde, moi je ne m'attendais pas à une demande SDA. En tout cas, c'est sûr que voilà, pour le coup, c'est une demande SDA. Mais tu vois, elle n'a pas demandé un bricoleur. Elle a demandé quelqu'un. Mais oui, moi j'ai arrivé quand même. Ça ne s'est pas fait dans le même temps. Hein. Ouais. Quand j'ai fait cette demande, j'ai pas lancé de critères. J'ai demandé l'âme qui correspondait à mon âme pour mon élévation et qu'on chemine dans le même sens et qu'on aille toujours plus loin. Et quand il est apparu, c'est sûr que là, je me suis dit, il y a un bug dans la matrice. Mais non, il n'y avait pas de bug dans la matrice. Il y avait un bug dans ta programmation SDS. C'était exact. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai déjà dit, ce programme-là qui n'existe plus en moi, je ne comprends même pas comment j'ai pu avoir une pensée sur quoi que ce soit vis-à-vis de son physique ou quoi que ce soit. Quoi. C'était complètement... c'était des pensées SDS qui étaient liées à ma programmation. C'est ça. Et qui font partie de la programmation de tout le monde, puisqu'on est hanté par ça, on est habité par ça, l'apparence physique, c'est tout. C'est la société qui nous demande de tout le temps d'être... Mmh. Et par rapport à cette obsession de sauver le bourreau, c'est vraiment un truc que je contacte en ce moment, en fait. Mmh. Et je disais à Nina tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui s'est relâché avec David, quand tu me racontais justement en parallèle toutes les histoires avec le Franck, que tu voulais l'envoyer sur le réseau Léo, que tu voulais nous l'amener, tout ça, qui rentre en contact avec nous. Et en fait, en parallèle, je voyais plusieurs choses, mais avec David, les dernières fois qu'on s'est vus, en fait, il n'y avait pas de prise d'énergie du fait que j'avais lâché tout envie de le sauver, d'intervenir. Et du coup, il n'y avait plus mon prédateur qui faisait intrusion chez l'autre. Et on peut avoir une discussion, même de nos compréhensions et tout, mais putain, il repartait, j'étais... Il n'y avait aucune prise énergétique, c'était... Détaché. Ah ouais, j'étais super contente, quoi, les dernières fois qu'on s'est vus. Et il y avait bien des trucs administratifs qu'on devait régler ensemble, on retombait dans les mêmes fonctionnements, mais ça, c'était autre chose, quoi. Merci. Et l'autre truc que je voulais dire par rapport à sauver son bourreau, par contre, là, qui est activé différemment chez moi, la dernière fois, donc, avec Gégé, on parlait du Robert qui était en haut. Et en fait, je vois ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est venu juste un soir dormir là-haut. Moi, ça me met dans un état pas possible. J'étais au jardin, donc ça prouve bien que c'est pas fini. Il y a des choses qui sont en cours dans ses mémoires. Et j'étais au jardin, et puis, comme il y a une prise énergétique de sa part qui passe par le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui l'assiste pour démarrer la machine à laver, pour comprendre la photocopieuse, puis qui revient par 2 fois alors que j'y ai déjà expliqué. Et il y a un moment où je l'ai carrément... j'ai dit stop à son manège, quoi. Et j'ai même dit, t'as de la lessive ? Il m'a dit non, je fais, tu prends pas la mienne. Mais j'aurais filé ma lessive à n'importe qui, c'est juste que je supportais plus la moindre prise d'énergie et que ça passait par une lessive ou une salade, qu'il exigeait que je lui donne une salade du jardin. Je fais, non, quoi. Et du coup, après, il n'y avait plus aucune possibilité de parole. Je devenais de plus en plus froide et de plus en plus distante.
Et je le croisais, je lui disais même plus bonjour, mais c'était consciemment, je pouvais pas faire autre chose que même pas le regarder, passer à côté, aller au jardin, parce que le jardin, c'est le lieu que... que je partage avec sa fille. Et lui, il vit chez sa fille. Donc en fait, il peut être dans le jardin. Donc le symbole de... le symbole de notre intimité, en fait. D'accord. Donc lui, il rentre dans le jardin. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a cette... Donc il est arrivé à un moment où lui, il est venu carrément se planter devant moi. J'étais en train de, je sais plus, désherber les fraises ou un truc comme ça. Et il vient, il se plante, il dit « Ah, il est bien le jardin !» Je dis « Ah ouais, 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 il est bien. » Enfin, et du coup, il a eu sa bribe de communication qui l'a rassuré que c'était le dernier jour avant qu'il parte. Que t'étais pas fâchée. Que j'étais pas fâchée. Donc lui, ça a rassuré son ego, son autocontemplation. Et moi, j'ai vu le cinéma clairement. Et il y a un moment, parce que ça fait plusieurs fois que ça me passait par la tête et que ça me travaillait, je me dis « Mais s'il me demande... » Et on se pose et je lui dis clairement tout ce qui se passe, clairement tout ce que je vois par rapport à la prédation. Et j'avais l'espoir que ça se passe comme ça. J'avais vraiment cette envie qu'il me demande. Et en fait, je le voyais tourner là, me poser des questions. Oui, les salades, ça pousse bien, machin. Et j'avais envie de lui dire, mais va droit au but, quoi. Est-ce que t'as réellement envie de savoir pourquoi je suis froide et distante ? Mmh. Mais en fait, là, même là, j'ai pas pu parce que je savais que déjà je faisais de l'intrusion. Mmh. Et oui. Parce qu'en fait, il ne demandait pas vraiment. Et, oui. Et du coup, c'est ça dont je parlais avec David la dernière fois qui m'a permis de mettre à jour justement ce programme, où je vois bien qu'il y a ce truc de sauver le bourreau, mais ça me hante. J'ai même des scénarios où je me vois lui dire... Bon là, Robert, vas-y, si t'as besoin, tu demandes clairement, il faut juste que tu sois prêt que tu sois à l'écoute totale et que tu sois prêt à te remettre en question. Et dans ce cas-là, moi, je te livre tout ce que je vois de la situation, quoi. Mm-hmm. Mais en fait, voilà, donc, il y a ce truc-là qui me hante de sauver mon bourreau, en fait. Mm-hmm. Et je l'ai vu plusieurs fois avec Dolph, avec David, avec Philippe, avec, Philippe, mm-hmm. avec Robert... Mm-hmm. Donc voilà, c'est une petite illustration qui est arrivée comme ça. Ça me parle bien. En fait, c'est une, comment dire, les gens qui sont comme ça sont des prédateurs qui sont programmés. Donc si tu as vu le film, comment ça s'appelle, Love Bite, hein, Love Bite des. Les interférences. L'évaluation. Oui, les interférences. Ouais. Il est pas mal le film, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça encore. Oui. Non, en fait, donc il y a quand même des choses. C'est ça que tu voulais dire. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans parce qu'en fait, ça explique un petit peu ce qui se passe. Tu vois, quand on. Tu rencontres cette personne, donc ce gars, en fait, c'est une entité qui le possède, mais qui, en fait, étend ses tentacules sur les personnes environnantes. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'entité. Elle l'habite, mm-hmm. et en fait, il sert de relais. C'est-à-dire que l'entité, quand il est tranquille, l'entité est dans son corps. Mm. Et quand l'entité a besoin d'énergie, elle va ramener ses tentacules et va choper quelqu'un. Ouais. Maintenant, toi, comme tu as vu que cette entité n'a plus d'effet sur toi, lui, il va être maladroit, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Mm-hmm. Tu comprends ? Parce qu'il est piloté par l'entité. Il était démuni, en fait. Voilà. L'entité est partie. Non, elle n'est pas partie. Elle est juste repliée. Elle est impuissante. Voilà. Mais lui, en fait, il peut faire la même chose chez d'autres. Mais chez d'autres, ça marche. Maintenant, chez Hélène, ça ne marche plus. Parce qu'elle a démasqué l'entité qui est derrière, en fait, qui l'habite, si tu veux. En fait, ça marche avec toutes les personnes. Mm-hmm. L'entité, elle peut passer directement dans une personne. Donc, elle fait un canal de prédation avec un bras ou je ne sais pas quoi. Hein, toi. Et c'est ça qu'on est amené à détecter. Parce que l'entité qui l'habite, ça peut être un gris ou un reptilien, n'importe, on ne sait pas. Mais ils sont programmés pour nous soutirer de l'énergie comme ça. Et quand ils nous soutirent de l'énergie, c'est pour qu'on ne puisse pas faire notre travail. Parce que pour faire notre travail, il faut de l'énergie. Mmh. Ouais. Et en fait, s'il est au-dessus de toi, en fait, c'est presque un symbolique, tu ne peux pas faire ton travail. Ça, c'est clair. Ouais. C'est la 4D qui est là, et j'entends. Ouais. Trop fort. Et donc, c'est ça. C'est important de le voir. Parce que en fait, dans le film, il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants. Et on peut continuer à en parler si tu veux. Parce qu'en fait, j'ai découvert aussi que, comme on dit,
Le film, ils ont décortiqué tout l'aspect prédateur, reptilien et gris. Et effectivement, ils n'ont pas assez de connaissances dans comment dire, comment ça s'appelle, nous, ces entités transdimensionnelles ou interdimensionnelles, comment elles agissent, Oui. parce qu'ils Il y a une cassent. notion de tout est mal. Ouais, que tout est mal, tous les gris sont mal, sont mauvais, tous les reptiliens sont Il mauvais, n'y a pas de notion SDA, c'est ça? ils mettent tout dans le même sac. Oui. Et ça, c'est le problème dans ce film, tu vois. Ils ne parlent pas des Amazodoum ou des. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Oui, ça. oui, Ils ne savent pas exactement, que tous oui. les reptiliens ne sont pas mauvais. Ils ne savent pas que tous les gris ne sont pas mauvais. Tu vois? En fait, de la vidéo qu'on a vue, Ce hein. qu'on a vu pour l'instant. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas fini, non? Mais je ne Non, pense mais c'est pas. ça. Il, Oui. il Je ne reste. pense pas qu'ils aillent plus C'est loin, la quoi. table Il ronde, reste là, dont trois tu. quarts d'heure, Oui, vous c'est ça. voyez? Ouais. Sur 3h22, il nous reste trois quarts d'heure à C'est les jouer. interférences hyperdimensionnelles dans les relations de couple, Ouais, dans c'est ça. le love bite. Ouais. Et donc, ces interférences, je l'ai vécu aussi avec d'anciennes relations. Moi aussi, Et oui. en fait, ce love bite, il est présent chez tout le monde. En fait, Ah c'est. oui. Comment dire, c'est une énergie. En fait, tout le monde est touché par cette connexion à travers le sexe, à travers la sexualité. Et je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie. Donc, avec Yolande, bon, c'était encore un autre problème parce que je l'ai démasqué. Mais à l'époque, j'ai démasqué pas entièrement. J'avais vu que la moitié parce que je ne savais pas. Maintenant, je connais, j'ai la connaissance Yolande de est ça. l'ex-femme de Génère. Ouais, je l'ai précisé. Oui. Ah oui. Et donc après, j'avais une autre compagne qui s'appelait Rosanne. Eh ben, c'était le même principe, mais en fait, là, j'ai remarqué qu'on se soutirait tous les deux mutuellement d'énergie. Et elle, par contre, elle est tombée malade, elle a eu un cancer, etc. Je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais en fait, le fait que qu'on s'est dit, c'est elle qui m'a foutu la porte. Mais le fait qu'on ait été détachés, c'est comme si elle avait échoué à sa mission. Parce qu'il y a quand même d'elle-même qui était réveillée à son être-té, une autre partie qui essayait de la dominer. Et du coup, en fait, aujourd'hui, je me rends compte, quand j'allais chez elle, j'avais toujours peur d'une partie d'elle, tu vois. Et en fait, ce n'était pas de la partie humaine d'elle que j'avais peur, mais je sentais qu'il y avait quelque chose derrière qui, en fait, qui essayait de me dominer. Ouais, Et c'est ça que j'avais peur. c'est ça ce qui me parle. Je t'interromps parce Oui. que vraiment ça. Et je crois qu'en fait, déjà moi je ne l'ai pas terminé, je suis à 1h30 juste. Je l'ai pas. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement une partie de moi qui agissait comme ça sur les hommes. Oui. Et je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, moi j'étais incapable, je suis incapable de rester en bon contact avec un de mes ex, il me fuit comme la peste. Et ce que tu es en train de dire sur le fait d'avoir peur, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti, que voilà, il y Que tu avait avais de l'autre que ou les tu autres avaient impliquais. de moi, D'accord, voilà, qu'ils avaient peur de moi. Et oui. que donc, quand ça se terminait, et bien, comme si effectivement ils voyaient quelque chose de moi que moi je ne percevais pas, Ouais. et qui... Et c'est... Excuse-moi, mais je connais les détails. Bon, tu l'as dit la dernière fois, mais quand tu sors ton gros de ceinture, c'est Oui, normal qu'ils aient envie de partir même en pas, courant. non, même pas, c'est pas parce que j'étais pas dans l'expérience. Ça, c'était l'expérience où vraiment j'ai plongé dans le monde de la prédation et j'ai Oui. accepté cette partie de moi. Mais avant ça, je l'assumais pas, donc je la cachais. Et donc ça, Oui. c'est pas Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle vibrait quand même à l'intérieur de toi, même si ça se manifestait sans pas doute, physiquement oui, comme parce que ça, quand tu quoi. parles de domination, c'est ça, Oui. Mais effectivement. en fait, moi, c'était pas de la domination sexuelle, c'est bien. Ouais, c'était Hein? pas de la domination sexuelle Ouais. pourtant, non, pas du tout. Et même moi, cette domination, elle était inconsciente. C'est Oui. vraiment quand je suis arrivée dans l'ode et que vraiment il s'est passé quelque chose avec ma prédatrice à qui j'ai lâché la bride et je dis bon, je vais te voir. Donc du coup, et c'est comme ça que j'ai écrit ce texte-là sur tout ce que j'ai découvert sur moi, sur mon instinct de dominatrice, Ouais. qui était quand germe à l'époque, en tout cas qui était inconscient. Mais je sais que je me suis toujours posé la question de pourquoi, alors que voilà, on se sépare, il n'y a pas non plus de pourquoi, clairement, le père de ma fille, par exemple, il ne veut même pas entendre de leçons de ma voix. Voilà. Enfin, des hommes que j'ai aimés vraiment, fortement, quoi, avec qui je ne comprends pas que. Voilà, et je J'adore pense. le mot aimer. Ouais, bon, si tu veux, à qui j'étais très attachée, t'as pas tort. Voilà, je comprenais pas. Et cette explication sur les love bites, là, ça me parle beaucoup. Parce que je pense que j'en avoir peut-être été une à mon insu, ou en tout cas avoir été Oui, c'est un. sûr. Ouais. Ouais. Et Pense qu'on est des fois à l'insu, on ne sait pas. Ben oui, Ouais, comme tu dis, si tu t'es séparé de. Enfin, au moment de la séparation, si elle a eu un cancer, c'est bien Oui. qu'il y avait Il y ton avait quelque chose prédateur que qui. mon prédateur lui prenait de l'énergie quelque Ouais, part. c'est Ouais. ça. En tout cas, moi, dans mes propres expériences, je peux témoigner que j'ai été love bite Ouais. et que j'ai connu des hommes qui Voilà. avaient ce phénomène-là aussi. Voilà. Parce qu'à ces moments-là,
Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tellement en manque d'amour que ça, ou quoi? Enfin, manque d'attention. Moi, je reliais ça à, oui, t'as été, entre guillemets, dans mon enfance, mes parents, ils ne sont jamais trop occupés de moi. Déjà, de 0 à 7 ans, c'est le vide. D'accord. C'est nous maintenant, je ne sais pas. Et puis après 7 ans ou à 9 ans, déjà, j'étais déjà adulte. Et ouais. Donc, c'est vrai que je cherchais l'attention du mâle, qu'on s'occupe de moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde, quoi? Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je cherchais quand même à me rattraper à un homme. Parce que je ressentais que j'avais besoin, tu sais, d'être un petit peu couvée, protégée. Parce que ben, la vie était dure déjà. Donc, il fallait tout le temps que je sois forte. Et donc, quand j'avais ces relations-là, quand par exemple en fin de relation, souvent au début on me quittait. Et moi j'étais, mais déjà je comprenais pas. Attends, en fin de relation, souvent au Oui, début, on te quittait. pardon. En fin de relation, d'une relation sentimentale, Ouais. que le gars me disait, ben non, on arrête. Oh, Ouais. moi je comprenais pas, je vivais le rejet. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi on me rejette comme Ouais. ça? Et jusqu'au jour où, je ne sais pas, vers l'âge de 22-23 ans, donc déjà je m'étais ouvert au monde parallèle, puisque je faisais souvent des crises d'angoisse et je captais, j'avais vu des choses. Mais bon, je n'avais pas connaissance de ce monde-là et j'ignorais qu'on pouvait en parler encore plus. Et là, j'avais des comportements où je me suis vue un jour, mais obsessionnelle. C'est ça. Alors que c'était pas moi, C'est j'avais ça. jamais été comme ça. J'avais déjà vécu plusieurs rejets, mais jamais à être harcelante ou. Ah oui, Mais c'est j'ai ça que vécu tu veux une dire. relation où Comme vraiment, ça. mais je me vois encore escalader le portail de chez ce gars, quoi. Waouh, Non mais excellent. avec mes talons aiguilles. Je pas. Là, j'ai vécu ça aussi, ouais, complètement, Et en complètement. fait, lui-même était parasité. Il était obsédé par son ex-compagne. Il me saoulait dans notre relation. Mais moi, je voulais tellement qu'il m'aime. Ben oui, il était tellement bel Apollon dans mes Tout ce que tu stéréotypes. projetais, c'était Et l'idéal, quoi. mais complètement, j'étais complètement hypnotisée par mes propres programmes et je ne voyais absolument pas la réalité. C'est ça. Ce gars-là, il était juste avec moi pour passer du temps, pour oublier, essayer d'oublier son ex-femme. Mais en plus, il me disait, mais moi, je suis obsédée par elle. Mais j'entendais pas. Ouais, c'est ça. Et moi, je me disais, ah bon? Ah non, il est obsédé par moi, en Ouais, fait. c'est ça. Le ouais, c'est prédateur est là. Et donc, à ce moment-là, je peux dire que cette love bite, dont comme la elle morsure appelle Eve d'amour. Lorgain, la morsure d'amour, quoi, de la prédation, elle agissait à travers moi. Jusqu'au jour où j'ai eu l'inverse. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'inverse. Des hommes qui m'ont harcelée, même à avoir peur. Ou d'autres qui m'ont pas harcelée de la même façon. Ben, à peine au début d'une relation, j'allais chez ce gars-là, on entamait une relation, hein, on n'avait même pas couché ensemble. J'avais mis des fleurs, jamais on m'avait offert des fleurs comme ça. J'étais là, ok. J'étais parti en courant. Non, non, attends, j'étais impressionnée, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui, ça me disait, ça va pas. J'avais une alerte intérieure. Et je me disais, bon, ok, mais non. Je me disais, attends, mais tu te rends compte pour une fois que tu rencontres un homme qui veut s'occuper de toi. Regarde, il t'amène des roses, il te fait le repas. Je repartais de chez lui, mais il vidait son frigo, il me mettait des trucs dans un sac. Il me disait, mais voilà, c'est pour ta semaine. Il m'appelait tous les jours. Moi, je rêvais de ça. Je rêvais de ça à l'époque où un jour, mon prince viendra. Ouais, Eh c'est bien, mon ça. prince, il était là. Ouais. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible, parce que je ne savais pas ce que je voyais. Mais là, j'ai vraiment écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ça me disait, alerte, alerte, sors de là. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand je lui ai dit stop, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'importunait, ben lui, j'ai bien vu sa réaction. T'as vu sa face de psychopathe? Et ben voilà, heureusement que je ne suis pas restée avec lui, parce que là, il y a une sangsue qui s'est manifestée devant mes yeux. Et pourquoi? Mais vraiment une oppression et une intrusion, alors que je disais, écoute, je peux pas. Je pensais que c'était les attentes que j'ai. En plus, j'avais été honnête en lui disant, j'attendais un prince charmant, tu te comportes comme tel, mais il y a quelque chose qui m'insupporte. Et je lui ai dit. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, dans tous les bouquets de fleurs, dans tous les trucs qu'il te donnait, c'était une intrusion. Mais oui,
Et alors, C'est moi, des rachats, elle l'achète. je racontais ça au travail. Les filles, elles étaient là. On voyait des, tu sais quoi, des cœurs et des papillons qui sortaient. Elle me disait, mais t'es folle, mais tu vas pas quitter quelqu'un comme ça. En plus, c'est quelqu'un qui... Elle me disait, il aime la nature, il fait du sport. Mais tout ça, c'était les facettes cachées. Voilà. On ne voyait pas l'envers du décor. Mais moi, l'envers du décor, c'était mon ventre qui me le disait. Donc, tout ça pour dire que par rapport à la vidéo que nous sommes en train de visionner, dont il y a un outil d'évaluation qui est en cours, dans cette vidéo-là, jusqu'à présent, de ce que j'ai compris, c'est comme si ça parlait que de l'extérieur. Genre, ben, les prédateurs, ils sont à l'extérieur. Non, les prédateurs, ils sont en nous. Aussi, ouais. Ils sont... Moi, je le vois... Je connais très bien mon prédateur, même s'il se range à mon service en me donnant l'info, quand il est chapeauté par le corpus derrière, parce qu'il y a une hiérarchie, et c'est la hiérarchie avec laquelle il y a un affrontement et un combat, parce que mon prédateur, lui, il a décidé dans quelle direction il voulait aller, donc on chemine tous les deux, mais ce corpus prédateur fait tout pour le ralentir. Ça veut dire que notre prédateur, lui aussi, il y a un prédateur encore. Oui. Tu comprends? C'est l'égrégore de tous les prédateurs, en fait. Même un prédateur personnel. Parce qu'en fait, c'est notre prédateur se met à notre service. Ceux qui sont derrière lui, ben, ils vont se transformer en ennemis. Ça veut dire qu'ils vont le poursuivre. En fait, notre prédateur, il va devenir notre allié, mais en même temps, il devient l'ennemi de ses prédateurs, lui, tu vois. Mais tant qu'il réalise sa mission, ben, il se rallie à la prédation SDS. Donc, il n'est pas touché. Non, SDA. Non, ça ne peut pas, mais il n'y a pas de prédation. Attends, je crois qu'il y a... Non, tu redis tant ta qu'il réalise tu sa peux mission. Répéter ta quand phrase. Il réalise... maintenant, je suis désolé, j'avais dit. Si, en fait, il s'allie à la cause SDA, enfin s'il se... Si en fait, s'il se rallie à l'humain, s'il devient SDA, oui, à la vraie humanité, en fait, il va être l'ennemi des SDS. Voilà. Tout à fait, voilà. Là, c'est clair. Donc en fait, tout le monde a ce schéma en lui. On a un propre prédateur, puis le corpus au-dessus. Généralement, c'est un corpus. Ouais. Ça peut être un prédateur personnel ou voilà. On ne sait pas exactement. Oui, ça peut être une entité, plusieurs entités qui, comme ça fonctionne dans le mind control, ça peut être le programmateur du prédateur, puisqu'en fait c'est tout hiérarchisé. Comme nous on a peur du supérieur, le prédateur a peur du supérieur, et tant qu'il y a cette logique SDS, il y a cette logique de hiérarchie. Et tu vois, dans la vidéo, il parle du MILAB. MILAB, en fait, ce sont des programmes militaires. Militaires. Ça veut dire que c'est des programmes de troisième densité, c'est des humains, quoi. Qui arrivent à comprendre et qui arrivent à programmer des gens. Et en fait, ils ne disent pas comment ils font, mais moi j'ai compris comment ils font. Parce qu'en fait, ce qu'on avait parlé l'autre jour, pour programmer quelqu'un, c'est-à-dire que un humain, on sait qu'en tant qu'humain, nous avons plusieurs parties d'âme, ou plusieurs programmes génétiques qui sont insérés dans notre génétique. Donc, si on, par exemple, on prend notre partie animale, c'est un programme qui existe déjà en nous, qui est très vieux, mais qui existe. Notre programme animal, il existe dans notre génétique. Ben, il suffit de prendre ce programme animal et de le développer et de l'exacerber pour qu'il devienne notre programme principal. Donc l'humain, il réagit en tant qu'animal. Il retourne de nouveau dans sa conscience animale. Et pour faire cela, il faut qu'il défragmente la personne. C'est-à-dire qu'il faut, il lui faut subir des douleurs. C'est une mouche. Il faut subir des douleurs très fortes pour que l'âme sorte du corps. D'accord. Quand l'âme sort du corps, ben, ils font tellement mal aux gens qu'en fait, que leur instinct primaire prend le dessus. Donc, ils redeviennent des animaux. En fait, de cette manière-là, ils peuvent se programmer. Ils peuvent programmer les gens pour tuer. Et quand l'âme retourne dans le corps, le programme il est activé, mais l'âme ne sait pas que le programme est activé. Donc, quand l'âme il retourne dans le corps après la douleur, ben, il y a un programme en marche dont l'âme est complètement inconsciente. Donc, ça veut dire que chacun de nous chaque humain a des programmes potentiellement activables. C'est-à-dire que ce sont des parties de nous-mêmes qui sont sur d'autres plans. C'est exactement ce que je suis en train de prendre conscience avec cette lecture du livre sur le mind control. C'est énorme. Toutes les parties de moi qui sont là, que je commence à palper, mais qui peuvent être activables d'un moment à l'autre et qui sont cloisonnées par un mur amnésique, en fait. Voilà. Exactement. Mais ils peuvent... c'est nous-mêmes qui pouvons les désactiver, parce que comme on le sait maintenant, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure si tu avais vu les gens dans ton rêve ou les programmateurs, ou si c'était la réalité. Parce qu'en fait, c'est dans les rêves qu'ils agissent. Tu vois, j'ai aussi compris que quand on rêve,
ces entités qui viennent d'ailleurs, sur d'autres plans, ils peuvent, ou bien, deux choses, hein, ou bien nous induire un état de sommeil par des injections de, comment ça s'appelle, de mélatonine, l'hormone du sommeil, mm-hmm. je crois que ça s'appelle la oui. mélatonine. Ouais. En fait, ils injectent la mélatonine, enfin, c'est pas une injection, hein, c'est une pulvérisation, c'est une vaporisation de éthérique. Mélatonine, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une entité dans une, par exemple, une entité dans cette pièce et va te diffuser de la mélatonine. Mm-hmm. Et en fait, ça arrive souvent. Mm. Ta bouche, ton pouf, sommeil. Ah, je dors. En il fait un coma. 15 secondes. Ouais. Oui, je dors. Chez toi, c'est j'ai flagrant. Jamais vu ça. Ouais. Ouais. En fait, j'ai compris. Chaque fois que je lis des textes intéressants, ou alors quand je lis, ou alors que je veux les diffuser. Mm. Quand je veux diffuser quelque chose qui est très, très, très dangereux pour eux, un coup de sommeil. Ouais. Vaporisation et tu dors. Oh là. Les moustiques, et la moi, j'ai le brouillard. Narcoleptie. Peut-être, oui, c'est ça. C'est ça quand tu... Mais en fait, c'est ça. Je tombe. Et en fait, ça veut dire qu'ils ont une technologie. Donc déjà, ce sont des êtres humains, des êtres qu'on ne voit pas, ils ne sont pas humains, qu'on ne voit pas, qui sont dans notre environnement. Et en fait, ils s'amusent. Tu t'étais à coup de sommeil et tu dors. Ils sont tu là, te réveilles, mais... Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dans une fréquence qui ne nous est pas visible. Voilà. Tout simplement. Ils peuvent faire ça. En fait, les hormones, c'est le même principe que quand on a des phéromones, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais ça agit, ce sont des hormones. C'est des molécules qui se baladent dans l'air, en fait. Voilà, et en fait que... Oh, petit dos. Ouais. Voilà. Mais la même chose, c'est-à-dire que... Mais il se passe deux phénomènes. Il y a un autre phénomène. C'est un autre phénomène où je m'endors, mais qui n'est pas exactement pareil. Et maintenant, j'arrive à voir la différence. Quand je tombe de sommeil direct en quelques secondes, c'est que je suis endormi pour que je ne puisse pas lire ou que je ne puisse pas travailler. Mm-hmm. Maintenant, le deuxième phénomène, c'est quand... J'ai un sommeil, enfin j'ai un sommeil, mais je lutte, mais je me couche quand même. Là, des fois, je reçois en fait des messages. Donc ça veut dire que c'est d'autres entités qui interviennent dans mon sommeil et qui me donnent parfois des réponses. Mais généralement, les deux, ils se connaissent, ils se tirent la bourre. On ne sait pas pourquoi ils se battent les uns contre les autres. Donc les entités SDS, entre guillemets, se battent contre les entités SDA. Comment ? Parce que les entités SDA aussi, ils nous manipulent quelque part. Mm. Parce qu'on n'a pas toujours notre libre arbitre, si tu veux. Mais en fait, on a choisi d'être manipulé par les SDA. Mais je ne veux pas me faire manipuler par les SDA, c'est point, c'est comme ça. Oui, quand en fait, quand tu dis on a choisi de se faire manipuler par les SDA, c'est on a choisi d'être en accord avec notre part SDA qui nous donne des informations. Avec notre sens qui est sur ce plan-là. Voilà, parce qu'on travaille pour ça, on travaille pour libérer l'humain de son illusion, de tout ça. Quoi. Et pourtant, nous sommes tous encore dans l'illusion. On peut faire ce qu'on veut. Oui. En fait, il faut que ça se décrotte tout doucement. Quoi. Ouais. On ne peut pas être éveillé du premier coup. Ça ne marche pas. Quoi. Et justement, d'aller vers le fameux éveil, c'est, comme on l'aborde plusieurs fois, c'est de réassembler toutes ces pièces du puzzle qui sont nous. Quoi. Et du coup, comme on l'abordait là, le fait qu'on est fractionné, qu'on est tous fractionnés à différents degrés. Il y en a qui ont subi vraiment le mind control pur et dur dans cette vie-ci. Enfin, on n'est pas fractionné, fractionnable. On n'est pas forcément fractionné, on est fractionnable. Ben moi, je dirais qu'on est fractionné et qu'on va vers une défraction. Ah oui, dans ce sens. Oui. Dans le sens que, en fait, ça se passe sur plein de plans parallèles. C'est-à-dire que autant je vais contacter d'autres moi, ces autres moi vont m'amener des informations par une expérience. Ben voilà, comme je vis avec le Robert d'en haut, que je disais la dernière fois, j'ai contacté des mémoires d'esclaves sexuels. Je sais que c'est pas un mythe, je sais que là, je l'ai concrètement, technologiquement sous les yeux que ça commence à se passer, la programmation d'un esclave sexuel. Et donc, il y a ce programme-là qui est en cours avec le Robert, et c'est cet autre moi qui est en train de se révéler, que j'ignorais complètement. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que ça se passe à différentes échelles, parce que c'est cet autre moi qui est sur une autre ligne temporelle, mais à la fois, c'est cet autre moi qui est dans ma psyché, mais qui est coupé par ce mur amnésique, et ce mur amnésique est en train de se fondre. Et du coup, cet autre moi esclave sexuel est en train de se révéler à ma conscience, donc avec les douleurs que ça occasionne. Et donc, il y a cet assemblage des pièces du puzzle, et effectivement, plus... Thank you.
Et effectivement, plus on avance dans ce cheminement SDA, plus on contacte toutes nos parts qui sont en souffrance ou pas, mais qui ont besoin d'être contactées. Et du coup, tous les murs amnésiques qu'il y a entre, ils appellent ça les troubles dissociatifs de l'identité, c'est quand un être, il a subi des multiples traumatismes. Ouais, des traumatismes intense et à répétition, parce qu'il y a le trouble dissociatif tout court qui est un traumatisme, hop, la conscience elle s'échappe du corps pour éviter de ressentir toute cette horreur. Donc ça c'est un trouble dissociatif, mais après quand c'est répété, ça crée un trouble dissociatif de l'identité. Il y a différentes identités qui se mettent en place, et en fait ces identités, pour moi je sais que ça correspond à tous ces autres moi. Donc c'est ça. Pas j'ai accès à des mémoires de effectivement de répétition d'abus, donc c'est en fait des abus rituels, mais qui ne sont pas passés dans cette vie, mais que je porte dans mes cellules. Oui, c'est et c'est pour ça que je comprends que là, mon âme, elle a déjà fait un chemin, ça faisait partie de mes prises de conscience qui étaient assez fortes ces derniers temps. Mon âme, elle a déjà parcouru pas mal de chemins de déprogrammation dans d'autres vies, parce que sinon je serais incapable de faire ressurgir ça sans être dans un hôpital psychiatrique. Parce que quand on voit les récits qu'il y a, quand les mémoires, elles remontent, en fait, il y a des personnes, elles ont été violées à répétition à partir de 3 ans, on va dire entre 3 ans et 6 ans. À 40 ans, la personne, en fait, il y a à ce moment-là, au moment du traumatisme, il y a cet alter qui est créé dans sa personnalité, donc son individu qui se fractionne avec un mur amnésique, donc pas du tout accès à ça, et c'est une protection pour pouvoir vivre sa vie comme il faut, quoi. Et à un moment, quand il se trouve que le danger n'est plus trop présent, il y a ces mémoires qui ressurgissent, mais ça peut ressortir en genre un film qui déclenche quelque chose, et la personne, il se trouve qu'il y a les mémoires qui remontent, et apparemment, d'après ce qu'ils décrivent, c'est que ça a une précision, elle le vit dans le moment présent, c'est comme si l'espace-temps, il se téléportait au moment où elle avait 3 ans, elle voit tous les détails, elle ressent tout dans son corps, il paraît que c'est vraiment un énorme traumatisme. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est la confirmation que mon âme, elle a déjà beaucoup travaillé là-dessus, sur ses déprogrammations, puisque ces programmations, elles sont dans mon corps, mais je ne suis pas autant traumatisée que ça, du fait que je les ai déjà visités, ça. Quand je lis les récits d'autres personnes, ça me parle à fond, mais je sais que je ne le vis pas dans cette intensité-là, et du coup, ça me permet de me libérer, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est toujours énorme, ce livre, voilà. Puis moi, je le lis bien avec des points de vue différents, parce que je peux très bien ressentir la prédation en moi, le plaisir que peut prendre le prédateur,
Et moi, mon mental a un choc parce qu'il ne comprend pas C'est ça. quelque chose que le corps peut lui révéler par rapport aux bourreaux qui prennent du plaisir à faire des choses comme ça. Et là, je ressens bien justement le plaisir de tout ce corpus SDS de quatrième dimension qui soutire de l'énergie. Et au plus il y a de la souffrance, au plus le quota d'énergie est C'est important. ça. Et donc, mais j'ai ressenti, de temps en temps, je ressens cette fréquence. Et cette fréquence, je ne peux que la ressentir parce que j'ai une part reptilienne. Sinon, je ne pourrais pas la C'est ressentir. Ou exact. alors, elle serait complètement annihilée parce que je ne voudrais pas la reconnaître. C'est exactement ce que j'avais. Ouais, non, je te coupe pas. Voilà. Finis. C'est ça. En lisant 50 nuances degrés, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. C'est-à-dire comment elle jubilait de ce côté. Donc elle se mettait à la place du dominant. Dominant sexuel, c'est ça l'histoire. 50 Donc là, nuances tu parles de la degrés. femme, 50, non? 50 quoi? 50 nuances degrés. Ah Gris, oui, de degré, gris. le bouquin. De gris. Gris. En fait, ils disent, mais ouais, c'est étonnant Oui, parce parce que qu'il y a un parce jeu que de c'est mots. gray. C'est gray, Donc. voilà, c'est ça. Non, c'est gray qui veut dire gris, donc effectivement, c'est Voilà. 50 nuances de gris. Et c'est vrai que Comme moi. par hasard de gris. Ouais, c'est ça. Et quand je pense que tout a commencé avec ce livre-là, en Ouais. fait, qui m'a permis de prendre conscience, comme tu dis, de cette partie de moi qui jubilait, qui prenait Mais qui n'est pas plaisir nous, à hein, dominer, voilà, mais c'est qui ça. fait partie de nous, Qui, voilà, et c'est qui t'a ça. accepté complètement, quoi, Ouais. parce Et que exactement, c'est du coup c'est vraiment justement. lors de la lecture que je sentais que ouais, elle était. J'en dormais pas, il fallait absolument que je finisse les 3 tomes. Autant avec le film, c'est pas pareil, mais autant le livre, il est vraiment vecteur de voilà. Donc je peux imaginer que. Moi, je me sens pas prête encore à lire, c'est comme j'expliquais, Oui, par faut rapport être à prête. un lien avec encore Gaïa, il y a encore cet Ouais. attachement qui est là et tout. Et je sais Faut que être prêt, oui. ça va me. Ça, pour le coup, je sais pas, je pense que ça va faire Humainement leur jeu, parlant, quoi. Je vais tellement. humainement parlant, c'est atroce à Voilà, lire. je. Mais bon, comment dire, moi, pour ma part, contrairement à tes programmes à toi et les miens, il y a des choses où je me reconnais, mais je me sens moins affectée parce que certainement moins concernée. Au début, je me dis, bon, peut-être il y a du déni, j'en sais rien. De toute Ouais, façon, je laisse faire les choses. ça s'ouvre après. Enfin, tu sais, Oui, mais quand tu es peut-être prêt à que. voir ton prédateur et C'est à ça. sentir qu'il jubile, Voilà. et enfin, cette part du corpus plutôt, je dirais, qui jubile, et que je suis prête à accepter, bon, ben voilà quoi, après, je suis prête à tout voir, quoi. Bah, Il y c'est a la part la plus difficile parce que la pas. victime, c'est une part qui est ultra douloureuse, Oui. mais c'est ce qui revient tout le temps, la part du bourreau, mais c'est Ah oui. d'accepter consciemment hein, qu'il y a cette part-là, parce que moi je le vois. Et d'ailleurs, tout est expliqué dans ce livre, c'est-à-dire que de toute façon, les enfants qui sont les victimes sont utilisés comme des victimes, sont fractionnés, sont plongés dans la terreur totale pour passer de l'état de victime à l'état bourreau pour. Ils disent que les enfants, ils disent bien que ces enfants, ils sont en train de les former pour sortir de l'état de victime en les passant à l'état de tueur. Tout à fait. Et donc, Pour maintenir le secret. voilà. Et pour plein de choses, pour permettre cette nourriture qui se transmette de génération en génération, donc qui est toujours ce soutirage d'énergie par la terreur. Et juste pour dire qu'en fait, chaque individu a donc été la victime. Et par la suite devient celui qui prend l'énergie, puisque en fait c'est le seul moment où c'est une drogue, ça agit comme une drogue, il l'explique bien, c'est le seul moment où ça où il comble toute cette comment dire tout ce vide, toute cette terreur, c'est le seul moment où c'est quand il va faire souffrir un autre. Oui, Là, parce ça qu'il va se sent réguler reconnu par le la groupe. balance au niveau hormonal, au niveau Oui. Ils disent des détails comme le fait que le sang, parce qu'il y a énormément le rituel du sang, le sang qu'ils vont boire de la victime, bon désolé, on pousse les trucs, voilà, désolé pour ceux qui entendent, mais voilà, c'est comme ça. Le Ben, sang c'est de la la réalité, victime qui hein. aura été poussé dans la terreur, donc que ce soit un animal ou que ce soit un humain, un bébé, tout ce qui est Ben, vivant, tout en le fait, c'est rituel juste de la satanique. mutilation de chair et de pousser la terreur à son paroxysme. Et donc, dans le sang, il y a de l'adrénaline en plus, 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 plus. Et cette adrénaline agit comme une drogue, donc comme une morphine, qui va permettre à celui qui le boit d'atteindre l'état de dissociation, que la victime a atteint aussi cet état de dissociation, et donc d'être connecté direct avec le monde du prédateur et d'être dans une extase. Enfin, du prédateur SDS, bien évidemment. Oui, ben, le prédateur Hein. SDA. Ouais. Non, non, mais pas le prédateur qui se transforme pour une évolution. Oui.
Ouais. Mais pour moi, ça me montre bien, et je pense que c'est pour ça aussi que je peux le lire avec un peu plus de détachement, c'est que c'est vrai, avec la paire de lunettes humaines, c'est... Comment s'appelle le bouquin ? MK Ultra. On va le mettre aussi. Ouais. Ouais. Et donc, avec la paire de lunettes humaines, on se dit, c'est atroce. Mais avec mes connaissances à moi, je sais que c'est pas n'importe quelle âme qui est appelée à vivre cette expérience-là. Enfin, qui est plutôt choisie à vivre cette expérience. Voilà. Donc, Parles de l'expérience de quoi ? De victime ? Ben, ou de ce que toi, tu es en train de traverser personnellement ? Non, de programmation. Ces enfants, par exemple, oui. Ou ces femmes, oui. Bref, ou même ces enfants, hommes ou femmes, hein, parce qu'il y a les deux cas, hein, qui sont programmés justement pour différents rituels, ce sont des âmes, elles sont victimes, bien sûr, de toute façon, on est tous victimes de la 4D, tous. Maintenant, c'est est-ce qu'on apprend de la 4D pour pouvoir sortir de cette victimisation et prendre notre responsabilité ? Prendre sa responsabilité, ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire que le bourreau qui est en face de moi, ben, il y en a à l'intérieur de moi aussi. Ça, c'est se responsabiliser. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi je me sens moins atteinte aussi au niveau émotionnel ? Contrairement, il y a quelques années, où, quand j'entendais des reportages comme ça, par exemple, Svali, ou il y en a une autre aussi qui a subi des rituels sataniques. Ce que tu m'avais passé d'Ardèche, voilà aussi. De frères et sœurs qui témoignent. Ouais. Voilà. Donc, avant, j'étais captivée. Je me disais, mon Dieu, mais ça existe. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette attraction-là. Je recherche une autre information. Et pour moi, je comprends que justement, ce sont... Oui. Non, je peux aider. Moi, je ressens au niveau émotionnel, c'est que je me sens moins infectée parce que, ayant accès à d'autres plans de réalité, je peux concevoir et accepter que ce sont des âmes qui ont choisi de vivre ça pour apprendre de ça. Parce que peut-être que ces âmes, peut-être, c'est une possibilité, ces âmes, sur d'autres lignes temporelles, elles étaient les bourreaux. Et aujourd'hui, elles apprennent de cette souffrance-là pour comprendre que, ben voilà, ce qu'ils ont fait, ça pouvait faire mal dans la chair. Ça pouvait faire mal aussi à l'âme. Et donc, c'est un apprentissage. Et pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas avec cette notion-là de bien ou de mal, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun vit ce qu'il a à vivre, point. Je ne suis pas pour, mais c'est comme ça. Tu le vois de manière bien plus objective. Oui, c'est-à-dire que je ne me fais pas embarquer par mon émotionnel qui me met dans des états lamentables, voilà. Ou, oh là là, le pauvre, ou ça y est, j'ai envie de sauver l'humanité, ou ça y est, j'ai envie d'intervenir, j'ai envie de... Je ne ressens pas ça, je dis ok. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'émotionnel, il est... canalisé, enfin, oui, on peut le dire canalisé, stabilisé, parce que canalisé, il y a une notion d'intervention dessus, de contrôle, tandis que là, non, c'est pas ça. Ça me permet d'avoir une autre vision d'ensemble, où je comprends aussi que ces âmes qui sortent de ce corps, dans ces états de souffrance, on en a parlé pour les animaux, quand on a parlé qu'ils allaient à l'abattoir, qu'ils souffraient, et que Genaël exprimait que l'âme sort, l'âme sait ce qu'elle va vivre, elle sort du corps. Par contre, quand elle revient dans le corps, que même la personne revient avec sa conscience, il ressent qu'il y a eu des troubles physiques, s'il n'y a pas mort. Donc, elle ressent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son corps, où son corps a été maltraité, il y a une souffrance physique. Mais dans les cas où il y a de telles souffrances, je sais que l'âme sort du corps. Elle ne vit pas ça. Par contre, les mémoires, elles sont quand même engrammées dans le corps. Et le corps, c'est justement où là je m'interroge, c'est que ce n'est pas que l'âme qui engramme les mémoires karmiques. Je pense que l'âme, elle a cette empreinte d'ADN qui nous est retransmise dans notre nouveau véhicule, et que dans ce nouveau véhicule, il y a les programmes qui ont été vécus, les mémoires. Inconscient, voilà. C'est le monde de l'inconscient, du coup. Voilà. On dit que l'inconscient s'exprime au travers du corps. Ouais. Donc effectivement, c'est l'inconscient qui va prendre le relais lorsque l'âme n'est plus là. Oui. Sans doute. Et donc justement,
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des enfants ou des femmes, des individus qui ont vécu ces sévices-là, des sévices vraiment affreusement horribles d'un point de vue d'une conscience de 3D qui a l'impression, même en lisant cette lecture, de vivre soi-même ce rituel. Et oui, du coup, c'est là où on voit à quel point on a ça qui vibre en nous. Exactement, ça permet de réveiller toutes ces mémoires enfouies. Et c'est pour ça que ce livre, il est énorme pour moi, c'est parce que justement, je vois que ça réveille plein de choses qui sont enfouies, comme je vous le racontais tout à l'heure. Il y a des rêves, il y a des personnes. En fait, il y a énormément de choses que je me souviens de ma vie, que j'ai vécues, ou des personnes que j'ai rencontrées, et je sais que c'était des personnes qui étaient complètement fragmentées et qui étaient dans l'ignorance d'une partie d'elles qui souffrait énormément. Mmh. Parce qu'il y a tous les signes maintenant que je peux voir techniquement, et du coup c'est pour ça que ça me renvoie à moi avec toutes ces parties de moi qui sont potentiellement fragmentées, quoi. Mais je reconnais moi aussi des parties de moi qui ont connu ça. D'ailleurs, dans cette vie-là, à l'âge de 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Un jour, j'étais dans le village. Bon, mes parents n'étaient plus ensemble. Bah, toujours moi, livrée à moi-même, très adulte déjà. Je me rendais à un lieu et il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture et qui m'a dit, m'a demandé où est-ce que j'allais. Et moi, naïvement, 9 ans, tu vois pas le mal. Ben oui. T'es là, mais moi, j'ai dit, ben, je vais au stade, je me rappelle. Et il me dit, ben viens, je t'emmène si tu veux. Il avait une 2 chevaux, je me rappelle aussi. Donc je suis montée dans sa voiture, complètement par inconscience insouciance. Hein, normal. Parce que ben, y a pas de danger, on ne t'apprend pas le danger, donc il n'y en a pas quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et donc il m'amène devant le stade, et on n'était pas tout à fait devant l'entrée, on était un peu avant l'entrée, donc un petit peu caché encore. Et je lui dis, bon, ben merci beaucoup. Et je m'apprête pour sortir. Et il ne te dit pas, il faut savoir remercier? Et il me dit, c'est comme ça que tu me dis merci? Et j'ai vécu la même chose, Sandrine. J'ai vécu la même chose. Et là, je le regarde, je m'en rappelle, mais je l'ai regardé. Et il s'est passé quelque chose intérieurement. Et je lui ai dit, mais comment ça? Il me dit, ben oui, tu pourrais me faire un petit bisou pour me dire merci. Et là, à l'intérieur de moi, mais pourtant, j'entendais pas ses voix, mais j'entends à l'intérieur de moi, sors de la voiture. Et je suis sortie de la voiture, mais fissa. Hein. Très haut. Ah ouais, ouais. Et c'est en sortant de la voiture, d'un coup, j'ai réalisé l'inconscience qui m'avait habité de monter dans ce véhicule où j'avais été hypnotisée par ce monde amour et lumière, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a de bonnes intentions, tu vois. Sur le coup, je n'avais pas vu le danger. Et heureusement que j'ai écouté mon instinct, parce que ça aurait pu être bien pire que ça. Bien sûr. Il aurait pu me séquestrer, et puis c'est parti, hein. Allez hop. Là, t'es en train de raconter une histoire qui est mon pire cauchemar en ce moment. Donc Gaïa a 5 ans. Et ça, c'est pas neutre que tu parles de ça. T'arrives en plein milieu. C'est vraiment pas neutre. Et la preuve, tu me racontais ça, j'avais cette espèce d'angoisse, tu sais, comme... Alors d'un côté, je m'interroge, je me dis, est-ce qu'il y a une partie de moi peut-être qui... parce que aussi, tu me dis que de 0 à 7 ans, blackout, c'est un peu pareil pour moi. Tu vois, j'ai pas de souvenirs d'enfance. Très bref. Voilà, c'est très bizarre. Mais je sais qu'en tout cas, je suis vachement dans la prévention avec elle. Mais en même temps, écoute, tu la vois comme ça, t'as pas l'impression que ça rentre, ça sort, enfin tu vois que c'est pas... Mais moi, il y a une partie de moi comme ça qui veut vraiment, qui crie vigilance, vigilance, et qui justement... Donc voilà, la prévient, quoi, les hommes avec les messieurs avec des bonbons, il faut pas, enfin ne parle pas aux inconnus, enfin toi... Mais moi, je vois que j'y mets comme ça une espèce de... Et c'est rigolo, je m'interrogeais, je me dis, est-ce que justement t'es pas en train d'attirer à toi ce que justement tu redoutes, et tes peurs qui te font manipuler par tes peurs? Ou est-ce qu'aussi... Ouais, c'est une alerte. Voilà, c'est ça. Et là, t'entendre cette histoire, c'est comme si c'était... Enfin, il s'est passé un truc physiquement, j'avais mal au plexus, j'étais... Et je voyais Gaïa comme ça dans cette voiture, comme si j'ai... Enfin, je sais pas, c'est dingue. Et étonnamment, on en parlait un peu tout à l'heure, je suis dans le moment où j'apprends à lâcher le contrôle par rapport à les échanges que vous aviez avec Dessau, avec les enfants et tout, tu vois. Il y a un truc qui travaille à ce niveau-là, où justement, ben, je dois lâcher ce contrôle et faire confiance à son âme pour la protéger et pour lui montrer la voie, etc.
Et donc, ben, ça passe par la liberté. Tu vois, j'habite dans un village où, voilà, les gamins, ils sortent, ils ont 4 ans, 5 ans, ils se baladent, tu vois. Et moi, je vois les voitures. Moi, par contre, j'ai une enfance, voilà, citadine, urbaine, ou comme tu dis, c'est là pour le coup. Je vivais dans un tout petit village. Ouais, ben, en plus, voilà, tu vois, c'est ça, exactement. C'est et je sais que c'est pire, en plus. Au pied du ouais, je me doute. Après, je ne vais pas faire de généralité, de projection, mais il y a quelque chose qui... En alerte, voilà. Il y a quelque chose en alerte chez moi. Et qui me... Alors, oui, certainement quelque chose à conscientiser. Ouais, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que tout à l'heure, j'avais envie de te demander où est-ce que tu en es avec, avec Gaïa. Parce qu'elle est dans l'âge, justement, où elle risque, en fait, de faire des cauchemars et avoir ce genre de rencontres transdimensionnelles. Pourquoi ? Parce que toi, tu les as eues. Parce que tu as été... Déjà, tu es quelqu'un qui est sur un cheminement SDA. Donc, forcément... La prédation va essayer de choper tout ton entourage pour essayer de dévier de cette voie, pour te faire, tu vois, pour te faire tomber. Et va forcément. Faire du chantage affectif. Va passer par, la, par les gens qui sont plus proches. C'est vrai. Donc Gaïa risque d'être une cible. Ben, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Gaïa qui me dit non, mais de toute façon, moi je veux un SDS, moi. Moi je veux un. Oui, parce que, j'explique la situation. C'est que Nina, elle voulait contrôler que sa fille mange pas de sucre, et ci et ça, et puis qu'en fait, là, il y a ta belle-mère. Enfin, non, ta tante. Ma tante, celle qui m'a élevée, quoi, ma grand-mère. Oui. Sa grand-mère à elle, quoi. Oui. Donc elle va partir en vacances au mois d'août. D'accord. Et comme dans tout ce processus de lâcher le contrôle, parce qu'il y a une anecdote dont elle, j'ai pu raconter vite fait à Hélène, il y a des voisins qui s'amusaient pas, mais qui donnaient toujours des compotes, des goûters, des machins, alors que justement, quand elle est à la maison, elle est sous paléo comme moi, tu vois, même régime riche en lipides, donc je sais qu'il ne faut pas non plus mélanger, quoi. Donc, j'avais fait comprendre aux voisins tranquillement, bon, s'il te plaît, elle prend son goûter, donc quand tu prends la compote pour tes fils, donne-leur à tes garçons, mais oublie Gaïa, c'est bon, elle a pris son goûter. Une fois, deux fois, et puis au final, non, et continuez. Et puis j'étais au téléphone avec elle au moment où ça s'était produit, et je voyais bien que ça m'avait fait monter quelque chose quand même. Et puis bon, ben, et comme s'il y avait quelque chose à voir sur peut-être, ouais, j'avais cette volonté pour moi de contrôler et je pouvais pas contrôler tout ça. Et peut-être aussi le fait de, ouais, peut-être pas une frustration parce que moi j'ai plus maintenant envie de manger de sucre, ça m'a pas empoisonné donc j'ai plus envie, mais je sais pas. Et donc du coup j'ai lâché. Donc bon, elle a été punie à un moment où elle allait plus jouer avec eux, donc ça m'a permis aussi de couper parce que je sentais aussi qu'il y avait quand même un canal de prédation. Quand t'es comme ça proche des gens, après du coup tu donnes la main, ils prennent le bras et ça devient trop quoi. Donc du coup, bon, ça jouait plus avec eux et on a pu temporiser. Mais ce que tu dis est juste dans le sens où, j'ai raconté l'anecdote tout à l'heure, que bon, moi du coup, j'ai fait ce cheminement de lâcher le contrôle sur elle, d'essayer de l'amener à tout prix en SDA, ou peut-être, comme tu dis, peut-être sauver le bourreau, on ne sait pas aussi, par rapport à ses anciennes mémoires qu'elle porte, elle. Et comme elle suit tout ce que je fais, elle écoute les dialogues avec moi, enfin bon, bref... Et elle me balance un jour que voilà, non mais maman, moi je veux aller en SDS, je veux pas aller en SDA, donc laisse-moi vivre mon chemin, je vais manger du sucre, je vais pas... Oui, c'était, en fait ça correspondait au choix qu'elle devait faire pour aller chez sa tante. Voilà, mais le choix avait déjà été fait, j'avais pris les billets, donc déjà moi pour moi lâcher ça, en disant je sais très bien que chez ma tante, donc chez sa grand-mère, elle va s'y vivre qu'en 3D quoi, tu vois, donc et la télévision, et le sucre, et les machins. Mais c'était, voilà, il fallait que j'accepte son expérimentation. Donc, surtout qu'il y a eu une demande de la part de ma tante, que je n'avais pas anticipé du tout. Elle me dit, alors, pour les vacances, Gaïa, t'as prévu quoi et tout. Et puis, quand je pose la question à Gaïa, elle dit, ah ouais, super et tout. Je dis, bon, mais c'est pas moi qui vais, je laisse faire le truc, quoi, j'accepte. Donc, j'ai pris elle a ses choses à vivre. Hein. Elle a ses choses à vivre, donc elle part 15 jours à Bordeaux. Mais c'est vrai que c'est y a des choses qui se jouent, tu vois. C'est d'un côté, je lâche. D'un autre côté, là où je comprends ce que tu veux dire, ou je t'ai coupé, mais tu vas reprendre, mais c'est vrai que j'ai bien compris qu'il fallait que je tranche entre mon âme et elle. Oui. Et ça a été, je pense aussi, même les vidéos de Vic Dessault m'ont vraiment permis de bien voir ça en face et de l'accepter. Donc ça voulait dire, sortir de cet égo de maman, parce que cet égo de maman, on disait tout à l'heure, moi je le trouve dense, lourd, j'ai du mal à le... Autant, je sais pas, c'est très étrange. C'est une très, très, très grosse programmation. Oh là là, c'est... Voilà, c'est pas... Bon, c'est difficile. Et donc, bon, mais par contre, j'arrive, voilà, à la voir comme étant potentiellement susceptible de me... Oui. Mais bon, peut-être pas encore comme un agent, mais... De te quoi ? De me faire dévier. Oui. Surtout quand elle me tient des propos comme ça, tu vois. De toute façon, ça peut faire ça à travers tout le monde. Ton attachement, en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Eh oui. Oui, du coup, ça peut être... Dès que tu peux lâcher l'attachement envers Gaïa, c'est très difficile de la perdre de mère.
Mais ça marche de la part de mère. Ça marche. Ouais. Il faut apprendre à être dans ta réalité. C'est-à-dire ta réalité, SDA, elle informe. C'est, en gros, c'est d'informer. C'est-à-dire que tu peux informer ta fille avec des mots tranquilles, des mots comment dire, très sophistiqués, mais avec les choses, dire les choses, l'information. Sur les dangers du monde. Sur les dangers. Ou sur la réalité. La réalité, pas les dangers. Pas forcément parce que le monde n'est pas dangereux on sait jouer du monde. C'est ça, on sait jouer de la matrice. Mm. Si on sait jouer de la matrice, le monde il n'est plus dangereux. D'accord. Il est seulement dangereux quand on ne sait pas. Et pour apprendre justement. En fait, ton rôle, c'est d'informer, effectivement, de lui montrer des vidéos qui parlent de ça, etc. Et après, de lui faire parler, de faire demander juste ce qu'elle a compris. Ou si elle n'a pas compris qu'elle te demande. Tu vois. Mm. C'est important de dire ça au gamin, en fait. Si elle a envie. Tu vois, en fait, de lui donner l'information. Après, elle fait ce qu'elle veut, c'est envie de manger du sucre. De toute façon, quand elle commence à manger cétogène, elle va de plus en plus rejeter le sucre automatiquement. Tu n'as pas besoin de lui dire. Oui, c'est ça. Comment? Mais pour le et tout, si elle a besoin de se faire une cure de 15 jours de sucre, et bah, je contrôle plus ça pour le coup. J'ai, parce qu'avant j'étais rigide et puis j'ai vu que c'était pas forcément le. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de lui dire le fait qu'on vole les enfants. Oui, ça a été quelque chose qui parce que de la part d'une mère, t'as pas envie d'élever ton enfant dans la peur, dans l'angoisse, dans le. Tu sais que ça va forcément susciter des trucs, mais en même temps. J'ai dû lui dire et je le lui ai dit, je lui répète des fois. Il y a un truc intéressant, c'est que le système SDS qui est autour de ton lien avec Gaïa t'invite, toi, à voir tes programmes de peur de l'enlèvement de l'enfant. Quoi. C'est ça. Et c'est clairement ce que je vivais quand t'as raconté son histoire. Mm. C'était. Tu peux lui dire, en fait, que. Elle connaît l'histoire de ce que t'as vécu, toi, avec l'enlèvement, avec elle. Tu passes au tribunal pour ça. Elle connaît ça. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, elle connaît. Ouais. Donc elle sait comment ça s'est passé. Bon, elle était petite, c'est pour ça. En fait, elle avait 2 ans et demi, mais elle se. Elle se rappelle. C'était rigolo. Il y a peut-être une semaine, 15 jours au petit déjeuner, mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Elle me dit, mais c'est le procès là. C'était parce que. Pourquoi ? Parce qu'il voulait nous faire du mal. C'est vrai qu'elle a commencé à. Elle m'a branché sur le sujet, j'ai pas compris pourquoi. Mais oui, elle se rappelle. Oui. Elle se rappelle de la voiture, que qu'on a sauté de la voiture et tout, C'est important, en fait, d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait... Et de ne pas la préserver de ça. Parce que, en fait, les cousins, les gens qui l'ont fait, ils étaient programmés. Programmés pour te jouer ce coup-là. Donc, eux, ils étaient jugés au tribunal, mais eux-mêmes, peut-être, ils ne savent pas ce qui se passe. Parce ils ont été programmés par d'autres entités. Mm-hmm. Oui, le schizophrène, c'est clairement ce qu'il dit. Oui. Effectivement, tu comprends, en fait, le truc, il est là. C'est-à-dire que derrière, il doit comprendre que même les humains les plus gentils, ils peuvent changer. Mm. Et en fait, la seule moyen de se protéger pour Gaïa, même si c'est pas ce que ça veut dire qu'elle a une situation qu'elle ne maîtrise pas. C'est de lui demander à son être intérieur, tu peux lui dire son ange. C'est ça, elle connaît la conscience supérieure et tout ça. En fait, il faut que son âme. Quand il y a quelque chose qui arrive, il faut demander à. Il faut qu'elle se rappelle de se brancher à son âme. Dans le langage d'un enfant, conscience supérieure ou âme, c'est plus de faire atterrir, comme par exemple ce que Sandrine disait, t'as un mal de ventre, quand il y a quelqu'un qui arrive vers toi, tu pars. Voilà. Et plutôt que de dire non, il faut être gentil avec le monsieur, il faut remercier le monsieur parce que ça m'est arrivé. Le truc de. Et c'est comme ça que vous me remerciez bon, moi j'étais adolescente. Moi j'ai échappé au viol. Ça m'a fait grandir ça. Tu m'étonnes. Mais de suite, comme une asperge, je me disais. Dès que je suis sortie, on aurait dit qu'on m'avait mis 10 tartes. Ah oui, j'ai eu un éclair de conscience. Je me suis dit, mais plus jamais de ta vie tu remonteras dans une voiture. C'est ça. Ah là, j'ai eu comme quoi, tu vois, toute la prévention n'aurait pas pu. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut l'expérience. Et comme il dit Ginelle, et surtout comme dit. Les Cassiopéens, tout ça, c'est la connaissance protège. Et toi, comme tu es en mesure d'apporter la connaissance de ce que tu as à Gaïa, effectivement, juste de lui dire, tu sais, quand il y a quelqu'un, si tu sens un mal au ventre, tu n'écoutes pas la voix raisonnable qui te dit il faut faire ci, il faut faire ça, ou ce que la personne te dit. Ça veut dire que ton âme, elle te guide. Quoi. Et par rapport à ce que tu disais sur la peur de l'enlèvement, je sais pas, ça m'informe. Quoi sur moi ? Visiter tes peurs. Enfin, je veux dire, tout ce que tu projettes sur Gaïa, toutes les peurs qu'elle soit torturée, tout ce que tu projettes, c'est quelque chose qui t'habite.
C'est qu'il y a quelque chose qui vibre en toi. Un programme. Et que ce programme, d'autant plus pour Gaïa que pour toi, il a besoin d'être visité. Parce que... Le programme de la peur ou le programme... Tu sais, ça rejoint, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure. Ça rejoint ce que tu disais par rapport aux hommes, quand tu disais, mais je les faisais fuir, quand Genelle racontait son histoire. Et c'est que ça. Tu dis, moi j'ai l'impression qu'ils étaient en danger avec moi. Enfin, ou je sais plus exactement. Ils disaient qu'ils avaient peur. De voilà, oui. Voilà. Et que, en fait, moi ça me renvoie au fait que quand on n'a pas conscientisé la part prédatrice en nous, elle vibre encore plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, comme toi, t'as conscientisé, je faisais la blague avec ceinture God, mais en fait, c'est parce que c'est un détail qui est important, et que quand toi, t'as assumé cette partie-là de toi, bah, ça vibre forcément beaucoup moins. Ouais. Donc, tu vois, tu l'as conscientisé. Donc du coup, là, ce qui se passe avec toutes les peurs que tu projettes sur ta fille, eh ben, c'est quelque chose qui t'est demandé de traverser, de conscientiser pour que ça vibre moins, en fait, pour que tu sois moins soumise à ce schéma-là, en fait. Donc regarder en plus, encore plus, cette peur en face. Voilà. Plutôt donc, que de livre. Projeter tout sur l'extérieur, quoi. Lire ce livre et aller voir ce que non, je ressens. Non, pas forcément. Non, pas si tu sens que c'est pas le moment, façon... le fais pas. Non. Mais rien que ce qui est là maintenant, rien que ce qui... Ouais. Tu vois, laisser émerger ce qui monte. Ça peut être par des rêves, peut-être des informations, ou alors peut-être rien, parce que c'est pas le moment. Ah non, parce que là, c'était flagrant. Tu racontais ton histoire, je sentais. Bon, ben là, c'est juste de te dire, bon, c'était ben voilà, il y a un cauchemar, une information. Quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Il y a une information, je prends note, mais je la mets pas sous le tapis. Que ça vibre, quoi, ouais, voilà. C'est oui, donc c'est simplement tout ce qui peut émerger de ce qu'on est en train de parler maintenant. Et en fait, encore une fois, c'est tout ce qu'on s'entraîne à faire tout le temps, c'est retourner le miroir. Donc regarder tout ce qu'on projette sur l'extérieur, toutes les peurs, bah, voir, ok, en quoi ça... C'est pas en quoi ça me concerne, parce que c'est d'abord un vécu cellulaire, et puis de toute façon, les compréhensions, elles viennent après, quoi. Parce que, tu vois, comme on a dit Hélène tout à l'heure, un Gaïa, bon, si tu dis que de se plonger, enfin moi je dis de se plonger à son ange, de demander à son ange, normalement l'ange c'est un ressenti. Mais des fois, ces entités, ils peuvent nous couper du ressenti. Ils peuvent en fait intervenir sur notre corps physique pour nous endormir complètement. Donc là, tu es largué, tu ne peux plus demander de l'aide à qui que ce soit. Mais on a toujours la conscience. En fait, la conscience suffit, parce que c'est la conscience qui a intégré la connaissance à un moment donné, tu comprends. Même si le corps est paralysé, le fait de demander en conscience l'aide de ton soi supérieur, ça pourra suffire à Gaïa, même si un jour elle est paralysée du corps. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, parce qu'elle ne sait pas encore ce que c'est les gris, elle ne sait pas encore ce que c'est les reptiliens, je ne pense pas, hein, tu n'as jamais expliqué. Non, que si, que les reptiliens. Ouais. Les reptiliens, si. Parce que bon, elle va apprendre plus petit à petit, en fait. Peut-être qu'elle va faire des rêves et elle va te demander un jour ce que c'est, tu vois. Et là, en fait, si elle fait des rêves, là, tu peux lui expliquer. Mais tant qu'elle ne vit pas ses rêves, tu ne peux pas lui expliquer. Quoi. Ben non. Parce que ça ne peut pas comprendre. Et donc, effectivement, le fait de lui dire que se brancher à son soi supérieur, c'est une espèce de... c'est la protection ultime, si tu veux. C'est ça. Même si elle ne sait pas ce que c'est. Intuitivement, ça se passe comme ça. Parce que c'est vrai que dans... je ne suis pas... Fin... Moi, elle n'arrive pas à m'avoir avec un bisou, un câlin, j'ai peur la nuit, ça ne marche pas comme ça, quoi. Du coup, je lui dis, la nuit, tu fermes les yeux, tu ne regardes pas le noir, tu n'as pas rien à voir dans le noir, parce que c'est vrai, moi, c'est comme ça que j'ai géré mon truc, quoi. La nuit, quand j'ai fait noir, je ne faisais pas de regarder. Tu fermes les yeux, dans le noir, on ferme les yeux. Mais attends, il y a un truc plus important, là, si elle peut voir, si elle arrive un jour, ça lui arrive, elle va avoir des entités dans le noir. Ben oui, c'est ça. Donc, en fait, là, il faut qu'elle soit informée, juste dire que non, tu n'as pas le droit de me toucher, il faut lui dire qu'elle doit le dire à l'entité, parce que l'entité est obligée de respecter le libre arbitre. C'est ça. De lui expliquer qu'elle est plus forte. Mais pour qu'elle dise non, il faut savoir de quoi, qu'est-ce que c'est. Ouais, voilà. Et du coup, et c'est vrai que justement, c'est ça. Que connaître toi, de fermer les yeux. Appelle ton âme, enfin, en tout cas, appelle ton âme. Et c'est vrai, c'est ça. Quand j'ai peur du noir, ou quand j'ai peur de machin, c'est comme ça que j'étais pas là. Je lui fais déjà comprendre que c'est en elle qu'elle doit trouver les ressources. Voilà, c'est comme ça que je... Intuitivement, c'est comme ça que je suis dans mon rôle de mère avec elle. Et parce que aussi, clairement, en toute honnêteté, je me rends compte que voilà, on, des fois en tant que parents, on croit qu'on peut aider nos enfants et qu'on a les réponses et tout. Et moi-même, je suis en quête. Moi-même, je cherche. Moi-même, j'apprends. Et donc voilà. Ouais, c'est sûr que si tu lui dis de fermer les yeux, j'insiste un peu. Bon. Non, mais ça, on en reparlera. Je te protège, ma fille. Ferme les yeux. Non, justement, je ne la protège pas. Non, c'est inconscient. C'est-à-dire que ferme les yeux et reste dans ton âme et parle à ton âme.
Et pas à ta consommation. Moi, je ferme les yeux, là, moi, c'est tout mêlé à Paris devant moi, tu vois. Mais non, mais justement, non, mais parce que les ouvrir, c'est quand elle les ouvre qu'elle voit encore plus. Oui, et qu'elle mais a regarde, peur, elle a peur de ce qu'elle imagine. Toi, c'est la protection que tu as mis en place pour toi. Tu vois, c'est pour ça que je parle de. C'est comme si tu. Enfin, inconsciemment. Ouais. Ouais, mais c'est bien que vous tu programmes ta fille. Pareil, c'est avec pour... tes propres peurs à toi, quoi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est retourner le miroir dans le fait que tu as peur qu'elle se fasse kidnapper ou je sais pas quoi. Parce que, en fait, c'est ton système de protection de 3D, on va dire, que tu as mis en place pour toi. C'est toi qui as peur d'être kidnappée, déjà. Ouais. Non, mais attends, parce que j'essaye de faire le parallèle entre les deux. Je vous suis. Comme là, toi, certainement, enfant, tu as dû vivre des choses. Tu t'es dit, OK, moi, si je ferme les yeux, je vois rien et ça va mieux. Donc, c'est une protection qui est juste pour un enfant. Enfin, tu vois, qui est normale. Ouais. Mais sauf que tu as grandi avec ça. Et du coup, c'est devenu un programme qui s'est renforcé. Mm. Et là, ce programme de ferme les yeux et tu vois rien, tu le transmets à ta fille parce qu'il y a tes peurs. Et je dis ça parce que moi, ça me touche en parallèle, tu vois. Ouais. C'est que moi, je réapprends, comme j'expliquais, il y a plein de choses qui se passent avec le noir pour moi. Ouais. Je réapprends à ouvrir les yeux dans le noir. Et regarder dans le noir. Regarder, parce qu'il y a toujours des ombres dans le noir. Oui. Et donc... donc, en fait, si tu veux, le meilleur message à lui faire passer, c'est OK, si tu vois des ombres, de toute façon... De toute façon, monde. Tu sais que. Ouais, mais c'est que si elle s'y intéresse. Mais je veux dire qu'il y a, cette possibilité-là qui est effectivement d'autres densités qui s'interpénètrent, d'autres mondes qui soient là. Et d'autres en fait, réalités. Que de toute façon, c'est elle qui commande quelque part, tu vois. Même si elle a peur, mais déjà de sentir ça. Et bon. Voilà, je voulais pas rentrer dans le truc de dire faut que tu dises ça à ta fille parce que j'ai pas non plus de. Non, mais ça m'avait pas, parce que surtout, par exemple, tu dis peur du noir toi-même, t'as eu peur du noir. Voilà, et c'est du ça. Coup, c'est une phrase qui revient dans sa bouche. J'ai peur du noir, et du coup, moi, ma réponse avait en plus, elle est noire. Ouais. Quand tu vois du noir, tu fermes les yeux, quoi. Ça va te dire, Gaïana, maman, elle est marron. Ouais. Mais tu vois, pour moi, c'est un exercice. C'est intéressant, ouais. C'est un exercice. Puis les mots sortent pas par hasard, quoi, dans la bouche. Voilà. Ouais. Moi, c'est un exercice que d'aller dans ma chambre, d'éteindre toutes les lumières, d'aller dans ma chambre et de garder les yeux grands ouverts avec le rideau, avec les arbres qui bougent derrière et tout. Et d'assumer d'ouvrir les yeux dans le noir, quoi. Et pour moi, ça s'est fait tout seul ces derniers temps parce que j'avais justement... Je me rendais compte que non, il faut que je ferme les yeux. Mais ouais, pourquoi voilà. Faut que je ferme les yeux ouais. Et oui, parce que j'ai peur. Parce que t'as peur. Et du coup... Dans l'idée de traverser ces peurs, enfin, c'est pas dans l'idée, c'est ça s'est fait tout seul, et ben j'avais besoin d'ouvrir les yeux, quoi. Moi, parce que je vais dire un truc. T'as déjà fait de la spéléo? Non. Tu vas une fois dans une grotte avec un blanc. Mais il m'en parle pas. Il veut sortir une connerie, je le vois sa tête. C'est pas vraiment une connerie. Un blanc, il te voit pas. Si, toi tu vas dans une grotte noire et le blanc il va dans une grotte noire. Lequel on voit le mieux? Le blanc. Non, le noir. Le noir. Noir parce qu'en fait, tu regardes un chien noir dans la nuit, tu vois mieux un chien noir dans la nuit qu'un chien gris. Ah ouais? En fait, plus t'es noir, plus on te voit dans l'ombre. D'accord. Comment? Bon, un blanc, on le voit aussi, mais en fait, c'est la fréquence vibratoire qu'on dégage, qui se voit, en fait, dans l'obscurité. D'accord. Bon, ouais. Donc, en fait, tu as une fréquence vibratoire qui est noire, mais qui est le contraire de la lumière, donc forcément, on la voit plus dans le noir. Tu comprends ou pas? Faut que tu ailles plus loin, là, Loulou. L'histoire du chien, tu comprends? Ouais, le chien, ouais. La nuit, le chien noir... Ouais. On le voit mieux la nuit parce qu'il est noir. Ça veut dire que la tache noire et la parapluie sont en fond noir. D'accord. Toi, tu es noir, tu rentres dans une grotte. On verra plus. Tu vois plus ton énergie parce que tu es noir. Alors qu'un blanc, tu verras moins parce que l'énergie d'un blanc, il est contraire au noir. Et comme on est dans un environnement noir, donc voilà. C'est le d'accord. Okay, en fait, sympa. Tu parles avec des symboles. Mais ça me parle, ce qu'il est en train de dire. Surtout qu'il n'y a pas de hasard, parce que quand on fait la transition avec peur du noir, rappelle-toi son histoire là, où tu vois le David sur la grotte. Et je te souviens, on était au téléphone, et moi j'étais mais intriguée, quoi. Je t'imaginais toute seule, dans le noir, et puis elle me dit, oui, j'ai marché dans la grotte avec ma lampe frontale et tout. Mais pour moi, j'étais elle est folle, et j'ai toute seule. Et donc, c'est pour ça que c'est pas anodin, tu vois. En tout cas, moi, ça percute, et je me dis, en fait... Il y a vraiment un truc, il y a une peur qui est là, quoi. Une peur qui est là, qui est... Il y a un truc intéressant par rapport à ça que j'ai pas écrit, d'ailleurs. C'est que j'ai compris,
en visitant ses peurs du noir et en visitant la grotte juste à la fin de Vic de Sos, Vic de Sceaux, c'est que en fait j'avais besoin de vivre l'expérience de me plonger dans le noir complètement parce que dans mon petit deux pièces qui est là, j'ai des peurs vraiment extrêmes qui remontent. D'accord. Enfin, je vais un peu expliquer, j'ai qu'une lumière, qu'une grande lumière pour aller dans le lit il est en hauteur. Si je l'éteins avant d'aller dans le lit, ça va pas. Je vais d'abord allumer la petite lampe de poche qui est en haut, je redescends, j'éteins la grande lumière et à un moment je fais « Hélène, mais arrête ton cinéma quoi !» Enfin, bon, j'essayais de sortir du jugement vis-à-vis de moi-même, mais c'était difficile, je me voyais terrorisée par quelque chose que je comprenais pas. Je comprenais si c'était d'autres... D'accord. D'autres densités qui étaient là et qui étaient là par le noir, quoi, par le biais du noir. Et du coup, à Vic de Sceaux, j'ai pu expérimenter que dans une grotte, alors que j'imaginais vivre peut-être des frayeurs assez fortes, j'étais effectivement avec ma lampe de poche, les cavités étaient très grandes, c'était vraiment des grandes voûtes avec des rochers, des stalagmites, des stalactites, et le côté merveilleux avec des petites gouttes d'eau qui s'allument comme des petits diamants avec la lampe de poche. Et en fait... de cheminer là-dedans, donc dans le noir complet, parce qu'à un moment, la sortie, on la voit plus du tout, d'éteindre régulièrement ma lampe de poche pour observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'entendre les chauves-souris, les petites gouttes d'eau qui tombent et tout ça, ben, en fait, je me suis sentie complètement dans mon milieu, c'est-à-dire que les chauves-souris, alors hein, c'est vraiment l'animal dont j'ai pas du tout peur, j'adore les entendre, j'entendais leurs ailes, tu vois, qui passaient vraiment pas loin de moi, les gouttes d'eau, c'était plutôt apaisant, et dans cet univers immense, avec plein de recoins d'ombre, quelque part, quand j'allumais ma lampe, je voyais que c'était mystérieux. Ben, je me sentais à l'aise, en fait. Et là, en fait, j'ai compris, simplement, ici, pourquoi j'ai peur du noir ? Parce qu'il y a des entités qui sont là. Dans la grotte de Vic de Sceaux, pourquoi j'avais pas peur ? Parce que les entités n'étaient pas là. Pas les mêmes, en tout cas. D'accord. Vous n'avez pas raison d'être, en fait. Voilà. Et, Vous n'avez pas de raison d'être. D'accord. D'abord. Parce que ici, bon, c'est un ancien presbytère avec toutes les mémoires rituelles sataniques qui se passent dans le milieu religieux, enfin toutes ces choses-là, c'est pas pour rien si je suis là non plus. La rencontre avec David et le prédateur de David dans ce lieu-là précisément, il y a, je sais que c'est chargé et que j'ai, il y a une raison pour laquelle je suis ici, quoi. D'accord. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut avoir des différents degrés de peur dans le noir et être, voire être super à l'aise dans un milieu qu'on connaît pas du tout. Parce qu'en fait, ben, simplement, on ressent les entités qui sont là ou pas là. Quoi. Oui, donc ça, c'était fort pour moi de comprendre. D'accord. Je vais revenir sur un sujet là qui percute. Oui, j'avais posé la question, hein, parce que ça fait quelques temps, là, je reviens un petit peu sur le livre MK Ultra. Enfin, c'est MK en fait. Hein. Ouais, c'est abirituel et contrôle mental. Au sujet de cette histoire d'émotionnel, parce que je sens bien que mon émotionnel, il n'est pas tiraillé. Donc, je lis, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont répétitives dans le livre, surtout dans les témoignages, où d'ailleurs l'écrivaine s'excuse de la répétition et de la lourdeur, et surtout de la répétition. Mais en fait, c'est normal. Pour accepter une réalité... notre cerveau est tellement conditionné à voir que le beau, que le gentil, que le bon, que le merveilleux, et puis voilà, des trucs doucereux, quoi, qu'on a du mal à accepter l'existence de cette réalité. Et c'est vrai que moi-même, je vois des fois que, même si je connais, je le sais, intuitivement, je sais les choses. Mais il y a toujours une partie de moi, donc c'est la partie, on va dire, SDS qui m'habite, qui ne veut pas que j'aille au-delà de ça. Ne veut pas que j'aille plus loin. Celle qui se protège par le déni, en fait. Exactement. Ouais. Parce qu'elle a peur, déjà, elle a peur, mais il y a autre chose encore plus loin que ça. À Genève, j'ai dit, moi, je lis ce livre, mais je sais que je ne lis pas pour nourrir quelque chose dans mon émotionnel ou pour faire monter des mémoires, c'est pas ça. Je cherche une autre compréhension. Il y a quelque chose qui m'appelle. Et là, j'ai eu l'info en t'entendant en parler. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. À Genève, tout le temps, je lui dis, dans tous les rituels, parce qu'il y a plusieurs rituels, hein, pour obtenir plusieurs, comment je peux dire, plusieurs bénéfices. Oui, plusieurs bénéfices. Chaque groupe ne les fait pas dans le même optique, mais d'un point de vue plus haut, c'est la même chose. Ouais, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétitions, c'est aussi pour nous faire comprendre
que ce soit sur un continent à Pétaouchnok, ou que ce soit il y a, oui, il y a 2000 ans, époque, 2000 ans en arrière ou actuellement, c'est exactement les mêmes schémas. Et ça ne change pas. Et en fait, là, j'ai compris, j'ai eu la réponse, que je t'ai posé la question, et je l'ai eu la réponse, ça y est, je sais. J'expliquais à Genelle que c'est, parce que je lui fais mes petits résumés, je lui expliquais que ces personnes qui vivent ces traumas, quand ils vivent les traumas, l'âme sort. Et quand l'âme retourne dans le corps, souvent, il y a, comme ils appellent ça, des alter-ego, enfin bon, moi je suis pas très branchée psycho, mais il y a, la personne peut développer plusieurs personnalités. Donc là, vous entendez bien, je dis personnalité, c'est des mots qui appartiennent à notre monde de 3D, du monde psychologique, tout ça. Mais moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est ça, il y a une question que je me pose, je me dis, mais ces entités qui reviennent, ces personnalités, parce que souvent, ils font ça, ils savent, les bourreaux savent que quand ils vont agir sur l'individu, ça va fractionner sa personnalité, ça va le diviser, ça va créer des multiples personnalités, sous-personnalités, enfin bref. Et qu'en fonction de ce que va vivre la personne, hop, elle va être bleue, verte ou jaune ou rouge. Elle va s'adapter tout à son environnement. Comme elle va vivre un trauma, elle va revenir dans son corps. Et, mais je ne parle pas de trauma, un petit truc, hein, des gros traumas, des trucs inoubliables. Mais pourtant, elle, quand elle revient dans son corps, elle a complètement oublié ce qui s'était passé. C'est de la survie. Elle est obligée d'oublier. Donc son cerveau, il coupe. Pour pouvoir survivre dans sa vie de tous les jours. Et ça peut être des personnes qu'on ne s'imagine même pas. C'est la résilience, les psys. Qui ont vécu ces traumas-là. Ça ne se voit pas. Parce qu'ils peuvent mener, dans une vie... peuvent mener leur carrière d'homme politique parfaitement. Parfaitement. Ou alors des femmes, par exemple, qui ont vécu des rituels dès l'âge de 3 ans et des trucs atroces, elles peuvent vivre une vie de famille sans jamais savoir qu'elles ont vécu ça. Parce qu'elles sont tellement programmées. Et moi, ce qui m'interroge, c'est l'âme. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que toute cette connexion, cette dimension-là, de rituel, tout ça, je connais cette existence. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de preuves ou quoi que ce soit. Je le sais. Oui, par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai compris qu'elle sort. Et la réponse qui m'est venue, c'était que justement, ce sont des âmes très souvent qui ont été bourreaux, elles-mêmes, d'accord, et qui vivent l'autre facette de la pièce pour apprendre. Ouais. Mais pourquoi il y a ce fractionnement d'âmes? Pourquoi? Parce que les âmes, dans cette dimension, là, notre troisième dimension, c'est la plus dense. C'est celle où on a le plus de possibilités de se transformer. Donc d'un point de vue de l'âme, il y a cette division d'âme qui se fait, parce que c'est pas l'âme qui se divise en plusieurs personnalités, non, ce sont des entités de 4D qui s'incarnent à travers l'humain. Quand il y a une mutilation, quand il y a un fractionnement chez la conscience de l'individu qui a vécu un trauma terrible, ce sont des âmes de 4e densité qui se placent dans le corps. C'est comme si... Dans toutes ces personnalités. Oui, c'est comme s'il y a une voiture et 5 conducteurs. J'ai lu dans le livre qu'il y a une femme qui a... Ils ont découvert jusqu'à 22 personnalité. Ouais. Comment, parce qu'à Genève, je disais, mais comment tu peux expliquer que cette personne qui n'a jamais parlé l'allemand après ce trauma, elle parle allemand. Et hop, elle change de personnalité, elle ne sait même plus parler allemand. Ouais, elle ne sait pas. Ça. Donc, ça montre bien, en tout cas pour moi, et c'est ça qui m'interpellait, c'est que j'ai eu les réponses là maintenant, c'est que ce sont des entités qui s'incarnent dans un seul et même véhicule que constitue la personne. Parce que quand on voit la personne, on voit un individu. Mais cet individu, c'est un véhicule. Véhicule, il peut être conduit par plusieurs personnes. Moi, je me disais, non, c'est une âme par véhicule, comme le walking. Allez, t'as fini ton temps, maintenant c'est à moi, parce que je suis prêt, on a fait un pacte, comme on a parlé à Vide de Sceaux. Mais il n'y a pas que ça. C'est justement, ils utilisent les rituels sataniques. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me donne l'indice? C'est que souvent,
dans les écrits, ils expliquent qu'ils font ça justement. Ils disent, mais oui, tu vas avoir le contact avec les démons, il va rentrer en toi, tu vas avoir des informations par lui. Enfin, je ne sais plus exactement. Tu vas être un dieu, tu vas être un dieu. Voilà, tu vas être un dieu, tu vas être immortel. Laisse entrer la déité, nani nana. Ouais. Et donc, quelque part, je dis, mais ok, j'ai compris. En fait, ils mutilent ces êtres-là pour justement laisser entrer, laisser pénétrer une nouvelle entité dans cette dimension, dans cette fréquence vibratoire qui est la nôtre, la troisième densité. C'est celle, c'est l'école qui nous permet et qui permet aux prédateurs de pouvoir basculer dans une autre voie. Ou alors, mais souvent, et de perpétuer aussi des drames de 3D. Quoi. Oui, oui. Ils laissent descendre des entités pour qu'elles puissent apprendre de cette école-là. Et du fait qu'on arrive proche de Londres et qu'il y a tout le monde qui se pousse à la porte, enfin, je ne sais plus comment oui, on dit, oui, mais oui, qui veut s'incarner pour profiter de ce passage potentiel. Oui. En fait, quoi. Et pourquoi ils le font par des crimes, par des enfin, je ne vais pas en parler à la caméra, mais c'est tellement... Non, des choses qu'ils font à des enfants, à des femmes, c'est... Eh ben, c'est... les choses qu'on peut imaginer, qui sont les plus atroces qu'on peut imaginer. Non, parce que j'ai lu des trucs que je n'étais pas capable d'imaginer. Ouais. Donc, non, ça allait au-delà de mon imagination. Je me disais, ah bon, on peut faire ça ah bon, enfin, ok, d'accord. Oui, oui, non, mais c'est clair, ouais. Ok, mais en fait, dans toutes ces horreurs, entre guillemets, je comprends aussi des histoires que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, particulièrement quand j'étais aux États-Unis d'ailleurs. Bref, une petite anecdote, je fais un petit aparté. J'avais un collègue, enfin un copain, quoi, qui est en discothèque. Ben, il est rentré avec une femme. Et ben, le lendemain, il s'est réveillé. Il ne savait plus du tout ce qui s'était passé. Oublié, complet. C'est simple, elle lui avait chié dessus. Elle avait repeint la tapisserie complète chez lui. Il était complètement traumatisé. Repeint avec quoi? Bah avec ce... D'accord. Ok, excréments. D'accord, oui, oui, non, mais... Ah ouais. Elle n'a pas pris un pot de pain. Ah non. Et moi, j'étais là. Ah, ouais. Ah bon. Fait, tu sais, fait... voilà, ça ne fait pas partie de ma réalité. Ouais, mais ouais. Quelque part, si, puisque j'entends l'info. Donc, il fallait bien que ça m'ouvre à quelque chose entre d'autre. Entre guillemets, une pratique sexuelle, ça, la scatologie. Oui, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et, mais lui, il a eu un choc. Il a dit, mais là, ça l'a calmé. Il a dit, plus jamais je ramène une fille de discothèque. Tu m'étonnes. Non, mais déjà, il avait honte de le raconter. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, et le lien qu'ils en font dans le MK Ultra par rapport à ça? Eh bien, justement, ils mangent les excréments, mélangent à l'urine avec un peu de sang. En fait, la potion magique immortelle, c'est justement. Ah ouais, relié, effet, parce qu'il y a tout qui est relié à l'alchimie et tout ça, donc tu vois, t'as le rouge, le blanc, le noir, donc le noir, les excréments, le rouge, le sang, le blanc, le sperme, donc en fait, ils mélangent tout ça dans leur fameuse coupe, bon, en fonction des rituels. D'accord. Et ils doivent tous boire ça, donc le sang chargé en adrénaline, donc en fait, c'est la drogue suprême, quoi. C'est le réveil. Ouais. Et donc, je finis juste 2 minutes là-dessus, juste pour dire qu'ils font des horreurs. Parce que justement, la personnalité qui va se fragmenter, d'accord, elle va laisser la place à d'autres entités de venir. Ça, j'avais compris ça. Sans que la personne parte. Ouais. Donc, il y aura l'âme de la personne part. L'âme, sans que elle la... s'efface, en fait, elle se met en arrière. Oui, elle fait de la place à d'autres. Ouais, c'est ça. En fonction de... Mais pourquoi ils font vivre des horreurs? Parce que justement, ils font descendre des fréquences infiniment basse. C'est souvent comment ça s'appelle, des dracos, enfin, des êtres de quatrième densité qui ont une fréquence SDS moins. Et ça rejoint le fait que pour intégrer un corps, parce qu'en fait tout ce qui se passe dans les rituels sataniques, ça modifie la génétique. Oui. Et donc exactement. La polarité SDS, elle a besoin d'un corps qui soit apte à recevoir cette polarité, qui soit préparée génétiquement. Oui. Et du coup, ces enfants, par exemple, les proies idéales, c'est des enfants de familles immigrées qui ont déjà vécu... De familles de militaires. Et de militaires et de très haut placés. En fait, tout dépend, mais il y a deux types de victimes. Il y a celles qui vont être sacrifiées, et il y a celles qui vont être sacrifiées et rester vivants, on va dire. Ouais. Quoi. Ceux qui sont programmés pour être des bourreaux après. Voilà. Mais ceux qui sont programmés pour être sacrifiés pour servir de canal, en fait... ceux-là, en général, ils ont... Bon, oui. Et donc, effectivement, si on regarde le côté de ceux qui doivent rester vivants,
C'est souvent des familles très très haut placées. Et moi, parmi les reconnexions que j'ai faites avec ce livre, j'ai travaillé dans un centre équestre où ils accueillaient des enfants en difficulté. Et je me souviens d'une adolescente de laquelle j'étais proche, justement, qui s'appelait Marine, et qui, son père était un grand chirurgien de renommée. J'avais compris ça. Et je me demandais d'ailleurs pourquoi elle était placée dans un foyer, cette fille. Oui. Et en fait, donc, le gars qui gérait avec qui je bossais, là, Olivier, il me disait, en fait, elle a vécu une tournante, il m'a dit. Un rituel satanique. Donc moi, je voyais, à l'époque, j'étais ignare de ça, je voyais des jeunes... C'est quoi, une tour de manège? Non, je sais ce que c'est, mais en fait, je voyais des personnes qui étaient dans le gothique, qui expérimentaient leurs trucs avec un hôtel et tout ça. Je voyais un trip satanique, mais je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Quoi. Et maintenant, je sais. Maintenant, je sais que son père, il fait partie de ça, qu'elle a été inclue depuis toute petite, qu'elle a été programmée, qu'elle a été fractionnée. Et d'ailleurs, en revoyant les détails de nos interactions, je voyais bien qu'elle avait elle se mutilait. Donc, l'automutilation, c'est un truc qui ressort du fait de retrouver cet état dissociatif et reprovoquer la sortie de l'âme du corps tellement c'est douloureux d'être dans le corps. Donc, c'est la ça. Douleur apporte ses endorphines. Qui font que l'âme, voilà, ça s'allège. Et donc, elle n'est pas prête à lire le livre. Non, parce qu'en plus, si, justement, parce qu'en plus, tu vois, des fois, elle va prendre un cure-dent comme ça, et puis tu sais, elle se fait plein de marques comme ça, tu sais. Et puis ça marque, et elle se dessine en fait sur le bras. Et moi, je sais que je vois ma réaction, comment elle est. Elle ne se blesse pas. Elle ne se blesse pas. Oui. Mais c'est juste. Non, mais elle fait le geste juste pour. Elle fait le geste, elle se blesse pas, c'est avec un cure-dent, enfin un truc, même pas des fois un petit bout de papier, un caillou qu'elle va trouver, ouais. Et moi je vois que c'est ça que ça me rappelle. Ça me rappelle la mutilation. Et donc j'ai une réaction un peu disproportionnée, parce que comme tu dis, elle se blesse pas. Oui. Et j'ai une réaction en disant arrête ça, on fait pas ça, enfin tu vois. Là, de ce que je retiens de tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est plus ce que ça réveille en moi. Il y a un truc qui. Et je me rends compte que j'ai peur de la mauvaise rencontre. Il y a quelque chose en moi qui est... alors peut-être qu'il ferme les yeux, comme tu dis, pour ne pas voir plein de choses et tout. Et déjà, clairement, les expériences de succube, enfin que j'ai vécu un cube, là, c'était qu'en 2015, quand j'étais encore dans 44. C'est très récemment que je fais le lien avec les abductions, tu vois. Donc du coup, peut-être que progressivement, comme ça, il y a ça, des choses qui vont s'éclaircir et tout, et qui... Écrire. Ouais, parce que c'est... Parce qu'on n'est pas au courant, hein. Ouais, cette expérience-là, c'est vrai qu'elle était... Faut lui tirer les verres du nez. Surtout que parce que ça s'est étalé sur plusieurs jours. Enfin, plusieurs, peut-être semaines, où j'étais visitée, quoi. Ça devenait... Parce que je trouve cette ressource, comme vous expliquez, ça m'a bien parlé, en disant je suis maître, je suis souveraine, je commande, quoi. Même si vous êtes plusieurs, c'est moi qui décide, et voilà. Et quand j'ai pu dire non, je me rappelle avoir invoqué le Christ, tu vois, vraiment, voilà. Et dire non, dégage de là, c'est bon, t'as 2 minutes pour sortir de mon lit, effectivement. 2 minutes Et t'es généreuse, hein, tu sais, quand même. 2 minutes, faire. Deux minutes, ça peut être une éternité, tu et vois. Là où ça a été fort, c'est que je me souviens l'une des attaques, tu peux imaginer, par exemple, voilà, sur plusieurs semaines, sur une semaine, par exemple, c'est pas tous les jours, mais presque, au point que j'avais peur d'aller me coucher, quoi, tu vois. Oui. Et il y en a une fois notamment, donc ça commençait par la paralysie du sommeil, donc je paralysais des membres, je sentais mes corps se rédifier, tout ce que tu disais là. Et une fois, ils ont poussé le vice jusqu'à prendre l'apparence de Gaïa. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon environnement semi-endormi, j'imaginais donc, parce que la chambre n'était pas loin, moi j'avais ma chambre, elle avait sa chambre, et donc elle rentrait dans ma chambre, que c'était elle qui venait se loger dans mon lit, puis elle avait même la taille, tu vois, donc dans mon dos, elle s'était collée au niveau de mon dos, quoi, et donc elle avait la taille de la petite, quoi. C'était un petit gris. C'était un mini gris. Autre chose aussi, ça aussi, c'est vrai que ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, mais bon, bref, passons. Donc à quel point, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai plus voulu trop dormir dans cette chambre aussi, donc j'ai migré dans le salon. Bref, et c'est là où je finis l'histoire. Il faisait moins noir. J'ai fini l'histoire, c'est pas faux. J'ai fini l'histoire où justement c'était. Où là j'ai senti que je pouvais faire preuve d'autorité et dire voilà, dégage de mon lit. Et voilà. Mais là j'étais parce qu'aussi épuisée, quoi. Ça faisait plusieurs jours que ça avait commencé par une sieste un après-midi, puis après ils m'avaient pas lâché, quoi.
Et donc là, dégage de là, et puis tout de suite, la paralysie, c'était parti, quoi. Tu vois, j'étais assez surprise. Et une fois, donc je suis allongée comme ça sur, mon canapé, et dans un état de semi-conscience, je sais pas, j'ouvre les yeux, et effectivement, je vois quelque chose qui est... Donc si tu imagines le canapé, c'est pas haut, quoi, tu vois. Bon, c'est le canapé que j'ai à la maison, qui est donc un peu plus haut. Donc, une tête, mais c'est... Enfin, peut-être, sans doute, un gris, peut-être pas. Enfin, tu vois, c'est très... Moi, je pense qu'avec ces histoires d'abduction, c'est que le premier truc, c'est qu'on doute de soi. En fait, tu vois, voilà, on doute de ce qu'on voit, de ce qu'on sait. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas. Leur but, c'est que tu doutes. Ouais, c'est ça. et je sais que je vais ouvrir les yeux et j'ai vu quelqu'un, enfin, tu vois, mais pas grand, quoi, parce que forcément, puis debout, enfin, donc du coup, c'était assez. Mais c'est une quart de seconde, quoi. Mais ouais, cet appartement, là, dans le 44, c'était pas trop top, par rapport à tout ça, tous ces vécus-là. Depuis que je suis ici, ça va. Ça, dans la gendarmerie, ça va mieux. Les murs sont peints en blanc, elle nous a dit. C'est le premier truc qu'elle nous a dit. Les murs sont blancs. Oui, parce que je m'étais lâchée question couleur dans l'autre. J'avais mis des couleurs partout, j'avais fait plein de... Non, c'est vrai que c'était pas une bonne période de ma vie non plus, tu vois. C'était pas une bonne... Pourtant, la résidence toute neuve en plus. Hein. Mais c'était pas une belle période de ma vie. Donc du coup, c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me dis, j'ai attiré ça aussi parce que j'essaie de trouver des explications un peu... À l'époque où j'avais justement, je fréquentais une personne New Age, très SDS, voilà. Donc du coup, j'avais des brèches comme ça aussi, je sais pas. Je pourrais pas expliquer, mais sans doute que... Je suis bien contente que ce soit pas revenu, quoi. Et j'ai pas envie d'aller tenter le diable. Comment on dit, tu sais, le diable n'a pas besoin d'être tenté, ouais, t'inquiète pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas le droit d'interférer dans notre libre arbitre. Quand tu as n'importe quel élément, enfin n'importe quel événement de ce genre, que tu vois une entité, n'importe laquelle, tu ne te poses pas la question, tu lui dis, je ne t'autorise pas. Ouais, ben non. Point. Ouais. Ça va être la phrase que je vais expliquer à Gaïa. Je vais lui expliquer ça, ouais. Oui, qu'elle garde son pouvoir et qu'elle sache que voilà, qu'elle est. Parce que c'est vrai que vraiment, je l'ai expérimenté pour le coup, quand je commençais à être fatiguée de leur visite là, et que j'avais plus peur, et que je. Donc je dis pas, à l'époque, j'étais quand même un peu aussi. T'avais la Bible, t'avais le Coran, t'avais tout. J'aime bien qu'il va marcher, tu vois. Et du coup, c'est vrai que tu te. Ouais, c'était le Notre Père. Enfin, j'arrêtais pas, quoi. J'avais besoin de. Voilà, et puis j'ai invoqué le Christ, et j'ai essayé, et puis finalement, ouais, ça a pris, j'ai senti qu'en fait, qu'il se nourrissait de ma peur, et que donc, moi, j'avais peur, et du coup, je devenais, moi aussi, méchante, quoi. T'es arrivée à un tel état de fatigue et de saturation. C'était trop. Tu vois, donc, clairement, je... Tu peux pas t'imaginer le nombre de notre père ou de je vous salue Marie, quand j'étais gamin, ils sont quand même venus, tu vois. Ouais, comme quoi... Ouais, ça marchait. Rien à foutre. C'est une de leurs ruses. Hein. Ouais, je pense que vraiment ça marchait quand j'ai dit stop, quoi. Je veux plus maintenant, c'est bon, j'ai pas peur. Ouais, c'est ça. T'as encore 2 secondes ou pas avant de partir? Oui. C'est juste pour que j'ai 4h10, on peut 20 minutes, une demi-heure, quoi, ça va. Jusqu'à 5h, on peut le faire encore. Oui. Dans la prochaine sonnerie, pardon. Non, c'est juste parce que j'avais commencé sur ma lancée, là, sur un truc qui me parlait bien, justement, dans la génétique qui était préparée à l'avance. Et je parlais de cette marine que j'ai côtoyée, donc, et qui, en fait, elle, son truc, c'était elle avait plein de scarifications, mais en plus, elle descendait de sa chambre, elle avait des nouveaux piercings, mais des trucs comme ça, des boules ici, des trucs partout sur les lèvres, c'était... Elle était faite elle-même. Elle était super belle, c'est une jeune fille toute brune, toute frêle, enfin voilà, et elle était version... gothique, Moyen-Âge, gothique, dark gothique, je sais plus comment on dit, bon c'est pas grave, la mode gothique, bon bref, et en tout cas, elle portait des corsets, elle était toujours en robe toute noire, et en fait, maintenant je vois la programmation qu'il y avait derrière, elle rêvait de dormir dans des cercueils avec des os. Ah oui, c'est les mémoires. Oui, ça fait partie des initiations. D'accord. Des initiations, ils font dormir des gamins ou d'autres dans... Ils enterrent en disant qu'ils vont mourir là. Ils contactent des peurs énormes, donc là, ils commencent à se dissocier. Et en fait, c'est des rituels, des initiations chez eux. Il y a tellement à dire. Et donc... ce qui m'a fait tilt, c'est quand une fois, il y avait quelque chose de fort qui se passait pour elle dans une discussion qu'on avait eue toutes les deux, et elle me dit, mais en fait,
je touche quelque chose, une joie, mais c'est comme si c'était interdit que je ressente ça. C'est interdit que je ressente cette joie. Et en fait, les enfants, ils sont programmés pour... En fait, ils encaissent tellement de terreur, ils encaissent, et ils n'ont aucun droit d'exprimer leurs émotions en dehors du ciblage sur l'autre, la prochaine victime qu'ils vont trucider. Et donc, c'est comme ça que ça se fait, la programmation. C'est-à-dire que c'est leur seul échappatoire pour toutes les émotions qui sont contenues, c'est envers une autre, donc devenir le parfait bourreau, quoi. Parfait tueur. Mais d'ailleurs, juste une petite aparté, Hélène, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Pas le fil de ton histoire. Ces enfants-là, souvent à l'âge de 3-4 ans, ils sont séquestrés avec un autre enfant. Ces deux enfants, ben forcément, il y a un lien qui se crée, un soutien, voilà. Mais ce que les enfants ne savent pas, c'est que dans les deux enfants qui sont les deux victimes, il y en aura un qui va être voué à être le bourreau. Donc souvent, ils font en sorte qu'ils se créent des liens entre les deux enfants, des liens d'attachement émotionnel fort, quoi. Ben, normalement, ils sont dans la terreur, ils sont enfermés, séquestrés, ils le savent, quoi. Il y a même des rituels pour renforcer ça. Ils créent des unions avec le sang, avec tout ça, pour que ces deux âmes se fusionnent, en fait. Ouais. Et après, ce qui se passe, c'est que souvent, pour formater le futur bourreau, il arrive le moment où un des deux, mais ils savent à l'avance, les bourreaux, quelle sera la petite victime qui ne va pas s'en sortir et qui va servir de repas. De repas aussi. Et donc, au moment où ils font leur rituel, ils tuent l'enfant. Mais qui c'est qui va tuer l'enfant ? C'est l'autre enfant. C'est celui qui a le plus d'attachement, le plus de... Voilà. Donc, c'est vraiment, on va dire, des choses horribles. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce qu'il ne peut descendre que des 4D SDS que par ce biais-là, que par l'horreur. L'horreur ne peut descendre que par l'horreur. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de militaires maintenant, donc de Milab et compagnie, sont des programmateurs. Ce ne sont plus des humains, ce sont des entités SDS qui possèdent un corps humain, qui deviennent des programmateurs. C'est pour ça qu'ils ont la technologie transdimensionnelle maintenant. Et c'est aussi pour ça que je parlais de la génétique, que du coup, effectivement, c'est les rituels sataniques, c'est transgénérationnel, en fait. Oui, oui. Et transdimensionnel, du coup, transdimensionnel, les deux à la fois. C'est-à-dire que dans leur descendance, ils créent tous ces bourreaux et ils ne peuvent pas faire autrement, bien vu sûr. Que, comme je le disais tout à l'heure, toute leur énergie et toute leur frustration et tous leurs besoins, donc en fait par le prédateur qui est à travers eux, ils vont le combler sur une victime, en se défoulant sur une victime, quoi. Et donc forcément, ça se fait de génération en génération. Et donc leur ADN, il change. Et dans un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que Marie-Jeanne m'a fait passer, qui confirme bien que le viol, en fait, ça transforme les données au niveau de l'ADN. Mmh. Et puis j'avais déjà entendu ça avant aussi, ça m'avait interloqué. C'est qu'en fait, une personne, une femme, peut avoir eu un rapport sexuel avec un homme, et en fait, sa génétique va s'imprimer dans la génétique de la femme. Elle peut même mettre au monde un enfant qui ne correspondra pas à son partenaire actuel, mais qui correspondra au partenaire. Oui, donc il y a une empreinte qui est laissée. Voilà, et donc, on peut bien imaginer qu'une femme qui subit des viols de toute la communauté SDS, ça va amplifier son potentiel SDS. Ben et oui. Que du coup, cette amplification, par tous les moyens qu'ils ont en fait, parce qu'ils sont multiples les moyens, dont l'ésotérisme très 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 poussé, des connaissances très 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 poussées avec la communication interdimensionnelle, et du coup ça va faire que leur génétique elle sera complètement apte à accueillir la prédation. C'est ça. D'autant plus, et ça rejoint ce que tu dis, qu'il y a un fractionnement de la personnalité qui est un fractionnement qui permet d'accueillir ces prédateurs. Et en plus c'est confirmé par je suis dans le passage où ils décrivent en long, en large, en travers les particularités de ces personnes qui ont des troubles de dissociation de l'identité. Et ils expliquent bien qu'il y a ce mur amnésique qui sépare, mais qu'elle est, par exemple, c'est une personne qui est toute amorphe, qui est dépressive et tout ça,
qui a des gros problèmes de santé, qui a du mal à se déplacer, qui a des grosses douleurs, qui a des allergies. Mmh. D'un coup, un déclenchement extérieur fait que, boum, elle se... Une autre personnalité qui vient. Et donc, ben là, une autre entité, on devrait le dire. Et pour illustrer ça, justement, ça pose complètement question. C'est le fait que, d'un coup, ben non, elle n'est plus allergique. Ouais. D'un coup, alors qu'elle pouvait plus se déplacer, elle marche. Elle devient hyper joviale, elle fait des études. Donc, cette personnalité, elle décortique toutes les langues de toute la Terre. Mmh. Elle a un cerveau qui fonctionne super bien. Et etc., etc. Sur le nombre de personnalités qu'il y a, ça va être totalement différent. Et en fait... Mmh. Là, j'en suis au point d'interrogation donc, qui rejoint bien ce que tu ressens. Et c'est le fait que comment différentes personnalités peuvent habiter un même organisme qui a les mêmes codes à la base. Et en fait, c'est bien ça, c'est des entités différentes. Ils sont programmés. Moi, j'arrête pas de penser à un film que j'avais vu, mais je ne l'ai pas vu le film, j'ai juste vu des infos sur le film, une bande-annonce quoi, en fait, avec un acteur qui... Mais ça me revient pas, mais quand tu feras le montage, je pense... Non, sur ce thème-là, des multiples personnalités. C'est un crime dans la tête. Non, il est très récent. Il est très récent, donc je vais te le retrouver. Et il semblerait que le mec, ça, du coup, même ses transformations physiques sont assez impressionnantes, justement, quand il incarne comme ça toutes ces... Mais la question, c'est que je ne sais pas comment il en est arrivé là. Et bon, voilà. Mais je vais le retrouver, ce film. Je pense que même le physique peut être modifié. Ah oui, complètement. Ils le disent. Ils expliquent bien. Ouais. Et même au niveau neurologique, parce qu'en fait, bon, là, c'est tout décortiqué. Hein, donc, en fait, ils font passer des personnes dans un IRM. Enfin, ils font... comment on dit ? Un IRM. Oui. Et scanner ou tout ça. Oui, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si ils font passer dans un IRM. Voilà, c'est là où je me pose la question. Bon, peu importe. En tout cas, ils arrivent maintenant à avoir contact avec des personnes. Enfin, il y a certains psychologues ou quoi qui suivent une personne. Et dans ces personnes-là, il y en a une qui arrive à volontairement déclencher une transition d'alter, en fait. Donc, une transition de prédateur. Enfin, ou d'entité, on va dire. Et ils ont réussi à le faire au moment où ils analysaient ce qui se passait dans son cerveau. Et à côté, ils ont fait un autre test, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à un acteur de faire une transition de personnalité, donc les meilleurs acteurs qui soient, genre une mamie grincheuse à un enfant de 8 ans, quoi, traumatisé par exemple. Et en fait, ils ont étudié ce qui se passait dans le cerveau et ils ont bien vu qu'il y avait une partie, donc l'amygdale cérébrale, qui génère, en fait, c'est celle qui fait qu'on perd la notion d'espace et de temps. Parce que dans les rituels sataniques, c'est bien ça, ils font perdre toute notion d'espace et de temps, et du coup, l'entité peut arriver, quoi. Et donc, ils ont bien vu qu'il y avait une atrophie de ça, et qu'il y avait vraiment un moment où il y avait un blanc total, bon, je ne sais plus comment il l'explique, mais dans le cerveau, il y a un blanc total. Et qui fait qu'il y a vraiment un passage à un autre, alors que l'acteur, il y a donc aucune... Donc ça ouvre le porte. Hein. Voilà. Et l'acteur, il n'y a aucune modification du tout. Mais oui, parce que lui, il fait la comédie. Voilà. Ouais. Et d'un point de vue 3D, tu vois, dans le livre, ils expliquent que justement, par exemple, quand ils utilisent cet enfant qui va tuer l'autre enfant, donc ils lui mettent un poignard dans la main, et l'adulte initiateur, parce que ce sont des initiations sataniques... C'est le grand prêtre. Le grand prêtre dit à cet enfant, ça peut être leur propre enfant, hein, tu vas être un grand prêtre, il faut que tu fasses ça. Puis l'enfant est tellement terrorisé, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de faire ce qu'on lui demande. Et donc, le sinon, prêtre... il va subir le même sort que l'autre. Oui, c'est ça. Et le prêtre, donc, il demande à l'enfant de tenir le poignard et il accompagne avec sa main l'enfant à poignarder, enfin à tuer, à vider de son sang qu'il boiront et qui le corps souvent il est mangé après, bon bref. Et donc eux, enfin dans le livre, d'un point de vue psychologique 3D, parce que pour moi c'est une réalité, ils font ça pour que justement l'enfant il puisse pas les dénoncer, parce qu'en fait pour lui l'enfant il arrive à un moment où dans sa psyché c'est lui qui a commis le crime. C'est lui le meurtrier. Et alors, d'un point de vue 3D, ça permet de maintenir le secret. Et l'enfant, il est tellement dans la souffrance et qu'il ne peut pas être divulgué, qu'il ne peut pas être révélé, que sur le coup, soit il se mutile pour ne pas faire du mal à d'autres, ou alors ben, il va reproduire
il va exhorter sa propre souffrance en la manifestant. Voie qui tenait, quoi. Parce qu'on lui a montré. Ouais, c'est voilà. Dexter, quoi. C'est la série Dexter. D'un point de vue ésotérique, ce n'est pas la vraie raison. C'est comme je disais, le mal ne peut entrer que par une action de mal. Parce que du coup, dans ce livre, il ne parle pas de transdimensionnalité. Là, pour ils le vont moment. L'aborder, en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, le livre, il fait 700 pages. Moi, je suis. Je ne sais pas. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est un gros pavé. Oui, et puis c'est écrit minuscule. Ah ouais, c'est un gros machin. Ah oui. Et je sais pas, je suis à la page 250, quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça dense en information. C'est très, très dense. Enfin, genre, tu finis le livre, enfin, bon, je ne l'ai pas encore fini, mais... tu ne peux pas être dans le déni de cette réalité. Tu ne peux pas dire, non, ça n'existe pas, il y a tellement de faits. Il te prouve par A plus B, tout. Et puis, il décortique, et tout est super intéressant, là... Je me dis, oh putain, le cerveau, tu sais, c'est un monde... Attends. Parce que c'est toi qui le... Vas-y. Bon. Et je me dis, oh, le cerveau, ça va être quelque chose de barbare, tu vois, parce que direct, c'est un peu comme l'informatique, c'est... Genre, je suis pas capable de comprendre, c'est tellement compliqué. Et en fait, non. Il expose très clairement ce qui se passe, telle zone, qu'avant, il a expliqué comment ça se passait, qui était activé, qui provoque la dépendance, qui provoque la perte de l'espace-temps. Et du coup, tout est passionnant. Et puis, il ne raconte pas avec l'émotionnel. Oui. Ouais, il y a aussi les témoignages ont l'émotionnel, mais lui, il a choisi lui, de mettre des faits. D'accord. Toute son enquête. Hein. Il a choisi... C'est des faits, c'est objectif. Il a choisi de mettre 70 pages de témoignages pour justement que les gens ils vivent aussi ça, qu'ils se rendent compte que c'est un truc qui existe. Quoi. Il y a un truc qui est intéressant, en fait, dans ce qu'il raconte, dans ce que tu dis, parce que moi, je n'ai pas lu le livre, mais je comprends beaucoup de choses quand je ne le lis pas. Parce qu'il me raconte. J'ai fait la traduction. En fait, c'est le truc, c'est-à-dire l'histoire de déconnecter de l'espace-temps, c'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire quand on nous déconnecte de l'espace-temps, comme notre conscience actuelle elle est dans le moment présent, se déconnecter du moment présent, c'est-à-dire se déconnecter de l'espace-temps. C'est-à-dire toutes les entités qui se promènent sur d'autres plans, etc., c'est elles qui rentrent. Et ces autres entités, ce sont des autres moi. Donc, ces autres parties de nous-mêmes qui, à un moment donné, avons été déjà des bourreaux ou des victimes. Tu vois c'est tous les deux, en fait. On peut être victime, bourreau ou sauveur, n'importe. En fait, c'est ces autres entités qui se promènent sur d'autres espaces-temps. À ce moment-là, ils rentrent dans notre présent. C'est pour ça qu'on peut devenir soit bourreau, soit victime, à nouveau, parce qu'on l'a déjà été. Et oui. En fait, tout le monde vit ça. En fait, tous les humains, ils vivent ça. Mais la plupart des temps, les humains ne sont pas réactivés. Enfin, ils ne réactivent pas des mémoires passées. En fait, ce sont des mémoires en fait, qui réactivent. Les gens qui programment, ils réactivent des mémoires du passé, tout simplement. Ouais. Ce n'est pas des entités étrangères à nous-mêmes. C'est des entités qui nous sont proches. Tu
Et qui ont besoin de passer par notre corps physique pour justement résoudre des choses que seulement la physicalité peut résoudre. Eh oui. Résoudre ou comment dire, ou contribuer au monde SDS. Ouais. Oui, oui. C'est un truc, tu vois. Ouais, d'où ce lien générationnel peut-être aussi. Générationnel, ah oui. Transgénérationnel. Voilà, transgénérationnel. Oui. Parce qu'à un moment, avec de ça, tu disais, que quand on fait des enfants, d'une certaine manière, ben ouais, que tu disais que ton grand-père, qu'est-ce que... Non. Mon grand-père, il est dans le corps de mon fils. Hein. Voilà, oui. C'est ça. Ton grand-père... Parce qu'en fait, parce qu'en fait, il est mort. Il est dans le corps de ton fils. Oui, en fait, l'âme. Oui, l'âme. Ouais. Mon grand-père. Non, mais d'un coup, je me dis, mais t'as pas de fils, mais en fait, si. Non, mais tu sais, il y a eu un bug. Voilà. J'ai un fils, mais. Okay. Alexandre, c'est voilà. Ça. Et en fait, mon grand-père, il est décédé à 16 ans, je crois. En fait, il est mort de vieillesse, si tu veux. Ouais. En fait, il avait des escarres, puis en fait, il avait un problème au moment de sa mort. Ça veut dire qu'il suffoquait parce que. Je sais pas si c'est à fumer, mais en fait, il avait une espèce d'asthme. Du mal à respirer, tu vois, il avait de l'asthme en fait. Et c'est un asthme, je sais pas comment ça s'appelle, proche de la mort, je sais pas comment ça s'appelle, ça existe. Hein, mais, voilà. C'est un asthme qui a développé au moment de la mort, donc ça veut dire qu'il avait du mal à respirer. Et en fait, quand mon fils il est né, donc quelques temps après, il a développé un asthme. Tu comprends? D'accord. En fait, sa respiration ressemblait exactement à la respiration du grand-père quand il est mort. Donc, il est revenu avec ses mémoires physiques, si tu veux. Ouais. Donc, lui, et ses mémoires, moi-même, je les ai aussi. Parce que ça s'appelle la maladie de Buck-Bunny-Shorman, je crois, les trois trucs. C'est une sarcoïdose. Je mettrai sur Internet. Ça s'appelle une sarcoïdose. Donc j'avais cette sarcoïdose à l'âge adulte et mon gamin, il l'a eu petit, c'est-à-dire quand il est né. Mais en fait, je comprends aujourd'hui que cette sarcoïdose, c'était un truc génétique qui est transgénérationnel. Et en fait, ça se reproduit, peut-être que mes arrière-grands-parents ou quelque chose, ils l'ont déjà eu, mais on ne sait pas. Et en fait, le premier où j'ai vu ce truc, c'est en fait, ce sont pas la sarcoïdose, mais ce sont les symptômes. J'ai vu chez le grand-père mourant et que j'ai revu les mêmes symptômes chez mon fils. Après la naissance et que moi j'avais aussi pendant mon âge adulte si tu veux. Juste je fais une parenthèse dans les rituels, enfin les prêtres donc qui contactent ce sentiment d'immortalité. En fait donc d'un point de vue objectif, le gars qui écrit le livre il dit ça se passe entre autres parce que une entité passe du grand-père. Oui. Comme tu dis, par le rituel, là, quand ils ont 7 ans, qu'ils doivent assumer leur rôle de prêtre et tuer, et ben, en fait, l'entité passe à ce moment-là, le grand-père passe au père, au fils, et du coup, en fait, l'entité, effectivement, est immortelle. Ah ouais, et ça me fait penser à cette maladie, c'est comme ça. Tu dis, qui se transmet. Et c'est à ça que ça m'a fait penser, parce que c'est vrai, oui, voilà, exactement, que du coup, c'est pour ça aussi, parce que moi, ce que j'avais compris quand tu parlais de cette histoire avec ton grand-père, je comprenais la programmation de la reproduction, le but, en fait, c'est-à-dire de préparer des corps avec une certaine génétique qui feront qu'en fait,
on va faire des enfants parce qu'on va préparer d'autres corps pour que d'autres âmes arrivent, mais quelque part dans notre entourage un peu. Ouais. Et si on raisonne dans une logique SDS, et ben du coup, avec tout ce que ça implique en termes de... Si justement on a affaire à des SDS moins, 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 comme tu dis, que du coup, ils poussent loin le truc à... Ils poussent loin le bouchon. Oui, parce que la génétique, il faut qu'elle soit au top. Voilà, c'est ça. Pour accueillir le plus grand prêtre. Vraiment calibré, quoi. Il faut qu'elle soit calibrée, ouais, exactement. La plus grande entité satanique qui existe, il faut qu'elle ait... ouais, effectivement, la génétique qui soit calibrée pour accueillir, quoi. Et qui fait partie, effectivement, du rôle de... Bah, c'est elle qui nous permet d'expérimenter, en fait. Mmh. Enfin bref, voilà. Bref, bon, non, nous, c'est nos conversations quotidiennes, alors tu sais. J'ai mal au ventre, je te jure. Parce qu'on a, on arrête, parce qu'on pourrait reprendre ça prochainement. Mm. Donc, on va peut-être faire ça en première partie, puis une autre fois, une autre partie. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est étonnant, moi, ces réactions que j'ai, là, je sens bien que ça brasse, quoi. Ça, c'est les tripes. Ouais, mais c'est ça, mais c'est... Nina a mangé des tripes, c'est pour ça qu'on dit ça. Allez, à la prochaine. Allez, bye bye.